Bonjour à tous, bienvenue à ce Nintendo Podcast de Jub niveau 1-7. Alors, ça faisait longtemps que tu ne m'avais pas vu. Ah! On a fait au moins 10 podcasts en toi. Ah, 1-7, fait qu'on était au moins 3. Non, on a fait. Le dernier qui était là, c'était un 5. Un 5. Alors, on va discuter de toutes sortes de sujets. Passionnant de Nintendo. Toi, dans le fond, tu n'as pas dit ton mot sur Iwata. T'as-tu quelque chose à dire là-dessus? Ben oui, c'était triste, là, ça, c'est certain. J'ai pas des millions de choses à dire qui n'ont pas déjà été dites, mais ça a été surprenant pour, je pense, tout le monde. C'est pas mal ça. Là, je suis bien curieux de comment ils vont réagir. On voit déjà Miyamoto qui commence à faire les free games. Ben oui, aujourd'hui, Miyamoto s'est ouvert la trappe, ce qu'on voit jamais. En fait, il a lancé comme ça. Ah oui, ben Pikmin 4 est presque fini, là. Ça va bien. Hein? Quoi? Quel jeu? Pikmin 4? Ah oui, celui que vous avez jamais parlé. Et il a aussi parlé que Mario Galaxy 3 serait possible, mais probablement sur la prochaine console. Mais il est entré dans le détail de plusieurs choses sur le développement des jeux, comme quoi c'est sûr qu'ils peuvent pas faire plusieurs jeux en même temps, mais que ça va de mieux en mieux, qu'ils avancent bien, plein d'affaires, puis qu'ils sont venus à... Ça, j'ai trouvé ça bizarre. Ils sont venus au style de Mario, comme avant, 2D, parce qu'ils disent que les gens se plaignaient que des jeux comme Mario 64 puis 3D, c'était trop difficile. Difficile? Ouais. Je pense pas. Mais c'est vrai que moi, je trouve ça plate. Personnellement. Ça, ben change, pas moi, mais... ça change le type de gameplay, puis ça devient des jeux répétitifs. Si tu fais tout en 3D, ben. Mais j'ai pas... Il y a un genre de puzzle, puis ça revient tout le temps au même. Mais j'ai pas aimé l'hybride entre les deux 3D World, j'ai pas tant aimé. Je trouvais que c'est trop linéaire d'un but à l'autre. C'était vraiment comme Mario Bros. 1, mais avec des. Ben, moi, j'ai trouvé ça cute, c'est juste. C'est dur d'évaluer la perspective. C'est ça, c'est, ils ont pas réussi à faire l'ombre, puis l'indicateur pour te dire où est-ce que tu allais atterrir assez conséquent. Fait que, ben, c'est ça, tu te commences à sauter dans le trou, ouais. Surtout l'espèce d'angle de choc que tu faisais. Hein, puis c'est surtout que la caméra ne suit pas toujours le player 1, elle suit comme aléatoirement d'autres joueurs. Fait que tu sais jamais si toi t'es le centre autour. Même quand tu joues seul, c'est difficile de voir. Ça va être plus facile. C'est quand même un niveau de difficulté. Plus que ta caméra est comme. Oh, le plus facile joueur, pas facile, c'est quand même une lacune qu'ils ont fait dans le jeu. C'est juste, c'est pas compliqué de mettre un beau gros rond vraiment très contrasté ou un genre d'anneau qui a l'air d'un ombre qui est en dessous de toi, tu sais, ou te dire si tu pars et tu fais un chat, ben attention, tu vas atterrir dans le trou, tu sais. Des indicateurs là, comme ça qui sont assez importants. Là. Ouais. Ouais. Parce que t'as tous les axes, puis en plus la caméra elle bouge, ça te force à bouger dans une certaine direction, fait que des fois tu paniques et qu'est-ce qui s'est passé, j'ai pas compris pourquoi je suis mort. Puis ça, c'est sûr, c'est pas l'idéal. Mais non, c'était pas le plus poche des. Non, Mario, il est vraiment pas poche. C'est un beau jeu. Ils ont travaillé fort, c'est varié, chaque tableau est différent. Moi, les side-scrollers, je les trouve plus fun que les complètement 3D où est-ce que tu peux te promener partout et sauter partout. C'est sûr que 64, c'était un peu une exception parce que c'était le premier puis c'était intéressant la twist qu'il avait faite. Mais après, il y a plein de jeux qui ont suivi le même pattern puis là, ça devenait répétitif, pas mal, redondant. Fait que là, j'étais content, moi, qu'ils reviennent au 2D. Fait que je suis curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec le prochain. Mais c'est juste que là, je trouve la Wii U, c'est juste. J'aimerais qu'à un moment donné, il y ait un peu d'équilibre entre les deux. Là, parce que là, on regarde, on a Woolly World qui sort deux semaines après Mario Maker. On a, il y a eu Donkey Kong, il y a eu Kirby, il y en a eu plein, là, Rayman et compagnie. Mm-hmm. Ben, c'est ça, c'est une pendule. Hein. Ils font tout le temps plein de jeux d'un type, puis après ça, ben, ils ont saturé le marché. Fait que là, ils s'en vont vers un autre type. Là. Ils saturent le marché de ce type-là, fait qu'ils reviennent au premier. Parce que là, il est en manque du premier style. Tu sais, c'est comme faire une genre de jachère de jeux vidéo, c'est vrai. Ouais. De réussir à exploiter un certain concept, puis après ça, ben c'est ça, passer à l'autre concept, puis là, ça devient nostalgique parce que c'est 10 ans plus tard, puis c'est ça, on vient. Le pattern, je trouve ça correct, mais c'est vrai que moi aussi, j'aimerais bien qu'il y ait des fois des certains archétypes, comme mettons les Metroid, qui disparaissent jamais, et peut-être tout le temps un épisode, pas à chaque année, parce qu'à chaque année, c'est absurde. Mais à chaque 4 ans, ce que je trouve, c'est quand même un bon cycle. Ça fait toujours des 5 ans, des 7 ans, c'est ça. Mais d'ailleurs, chaque 5 ans, ça ne dérange pas, mais sortez-en un. Miyamoto a dit, on sait que les fans n'ont pas du tout aimé le Metroid. Ah oui, enfin, il y en a un qui l'a avoué. Oui, parce que c'est comme si, en fait, juste après le 3, Iwata s'est comme excusé. Puis après ça, t'as Reggie qui est fou. C'est pas une excuse. Non, s'il s'excuse pas, blablabla. Miyamoto, comme moi, on sait qu'ils ont pas aimé ça. Soyons humains, là, à un moment donné. Ben oui. Comprenons nos erreurs. Disons les vraies choses. Ça nous rend plus, cette affaire. Ça nous rend plus crédible pour les prochaines fois. Puis surtout, ça donne une espèce de capital de sympathie à la compagnie d'être honnête, de tout le temps essayer d'éteindre des feux. C'est pas valide. Ben oui. Puis moi, je fais un petit blague. Vous jouez à quoi ces temps-ci, vous?
peu importe la console. Ouais, complètement. À part de Nintendo, je suis dans MechWarrior Online et dans Satellite Ring. Qu'est-ce que t'as regardé vers ça? Lesquels? Satellite Ring ou MechWarrior? MechWarrior, c'est que ça faisait un bout puis il avait ajouté du contenu. Fait que ça m'a intéressé puis ils m'ont complètement hooké in. Puis Satellite Ring, ben ça c'est un remake comme on disait tantôt. Ben, c'est un retour de pendule de ça, il est juste sur PC. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Il me semble que oui, moi c'est sur PC que je joue, mais ça se pourrait que ce soit sur d'autres consoles. Je vois pas comment ça serait impossible à faire sur les autres. Fait que je pourrais imaginer qu'il sorte sur Xbox Live, sur la PS4, même sur la Wii, ça pourrait. Dans Wii, ça serait possible. Puis toi, Alex, tu joues ça déjà cette année? Moi, cette année-ci, je fais les Mega Man. Ouais. Je me suis lancé le défi de faire les Mega Man 1. Mega Man. Ok, tous les Mega Man. Puis on fait aussi Donkey Kong, on est rendu dans 3. Ouais. Dans Creo Super Nintendo. Puis moi, sinon, j'ai essayé le bêta de Heroes 7. Puis c'est un bon retour sur ce soir. Si vous aimez la série 7. Heroes of Might and Magic. Ah, d'accord. Et le 7 est un bon retour à ce que ça faisait, ce que c'était la bonne série. C'est un retour en arrière, mais pour une bonne chose. Comme ça, on n'a pas beaucoup de temps pour jouer aussi ces temps-ci, je pense. Pour moi, ça va. Ouais, tu joues pas mal tous les soirs. Bon, oui, midi aussi. Hein, midi, ouais, avec des amis. Au travail, on a une petite séance de 30 minutes chaque midi. Fait que, c'est bien plaisant, mais oui, oui. C'est ça. C'est faux que ce soit des jeux que je sens qu'il y a une évolution, que je sens que mes personnages grandissent. Sinon, maintenant, les jeux en général, quand c'est juste des petits défis, genre passer un tableau pour moi, c'est plus suffisant. C'est bizarre, par exemple, comme évolution des jeux, mais j'ai besoin de ce composante-là RPG. Puis tu me disais que Splatoon complètement arrêté. Oui, ben moi c'est parce que c'est juste, ça rembarque pas là. Ils ont beau avoir ajouté du contenu, fait une méga patch, ajouté des guns et tout, il n'y a rien qui m'attire à retourner dedans à cause des problèmes que c'est tout le temps les mêmes 2000. Faudrait au moins l'essayer ensemble en team pour voir le film. Oui, puis c'est ça, il n'y a pas de cohésion dans les équipes. Des fois je vais jouer une séance parce que je vais jouer genre 2 heures, 3 heures, puis personne ne va se connecter de ma gang sur la Wii U. Fait que ça crée un gros stress sur le jeu, je trouve, de ne pas avoir des gangs comme ça qui jouent continuellement, comme je suis habitué avec BF4, comme je suis habitué avec les Call of Duty. C'est plus fréquent, disons, d'avoir des gangs sur ces styles-là. Puis aussi, le fait que tu ne puisses pas parler une game, évidemment, tu fais moins d'amis. Tu n'es pas poussé à aller voir quelqu'un. « Hey, t'as bien joué ce shot-là, fait que tu peux-tu être mon ami? Ah, je parle même pas la même langue que toi. » Ou peut-être. Ben oui, on prend un test en petite soirée avec Skype. Puis, oui. Ben moi, c'est le minigun que j'ai hâte d'essayer. Puis surtout, la dynamique que je m'attendais vraiment pas à... Mais c'est une autre gare, je pense. OK. Mais c'est ça, le fait que ça charge, puis après ça garoche tout. Au lieu que tu charges. Mais tu peux charger un petit peu, puis garocher un petit peu, mais c'est drôle parce que moi je suis habitué que tu charges comme un Team Fortress, n'importe quoi. Tu charges ta mitraillette, puis après ça tu laisses ton doigt jusqu'à temps que t'aies plus de balles. Là, c'est l'inverse, c'est tu précharges la quantité de peinture que t'as besoin de tirer, puis après ça ça garoche tout. Puis après. Ouais. Fait que ça, je suis bien curieux. Le bucket, mais il est curieux aussi, mais même genre. Le shotgun. Le bucket. Ouais. Ouais, ce genre, ben c'est une artillerie en fait. C'est un gros mouton qui revole dans peu importe la direction que t'as, puis ça fait un gros splat à terre. Puis ça te fait un petit corridor pour réussir à te rendre jusqu'à ce splat-là. Fait que s'il y a quelqu'un qui est au bord d'un mur, ben, tu peux le garocher dessus, puis ça fait très mal. Puis c'est sûr, s'il est face à toi, ben, tu y envoies un gros splat. Il a sorti beaucoup de maps aussi depuis qu'on a joué. Beaucoup? Combien? Ouais, 2-3 quand même. Depuis qu'on a donné la fois, ben, c'est quand même beaucoup. Ouais, mais c'est parce qu'il y en a. Il y a encore le cycle de 2, si c'est le problème du jeu. Mais ça, il sort trop lentement. On a le temps de s'écœurer, puis après ça, de raccrocher, c'est plus difficile. Il devrait nous le filer vraiment plus fréquemment. Sinon, cette semaine, il y a eu beaucoup de rumeurs sur la NX. Puis ça pourrait nous permettre en même temps de discuter de qu'est-ce qu'on aimerait avoir pour cette console et qu'est-ce qu'on n'aimerait pas. Toi, qu'est-ce que tu voudrais que ça soit? Moi, si je ne regarde pas ça. Ben, bonne question. J'aimerais ça que ce soit. La grosse rumeur, c'est qu'il n'y aurait plus de disques. Est-ce que c'est une bonne chose ou non? Que ce soit juste online? Toutes les autres consoles vont vers ça. Toutes le jeu PC, c'est déjà ça. Je vois pas vraiment. Je trouve que c'est l'évolution normale. Ouais. En ce moment, les statistiques disent que c'est juste 10% du marché qui est occupé par juste le streaming. Ouais. Mais si tu regardes, mettons, un jeu PC, si tu achètes un jeu en magasin, tu vas quand même avoir besoin de télécharger sur Steam, sur Origin, c'est tout du délire dans le nom. Il marque sa boîte. Des fois, tu es encore chanceux d'avoir un disque. Mais moi, honnêtement, même les ordinateurs, je fais souvent des installations d'ordinateurs, puis je mets plus de CD-ROM dedans. Il n'y a plus personne qui a besoin de CD-ROM. Fait que déjà, les ordinateurs puis CD-ROM, fait que je ne verrais pas pourquoi une console n'aurait besoin.
Mais je comprends par exemple qu'une console, tu as besoin d'un médium ou une cassette, quelque chose que tu peux trader. Il y a un effet collection, il y a un effet que tu n'as pas normalement nécessairement sur PC. T'sais, moi, mon jeu Diablo 1, je n'ai jamais senti le besoin de trader à quelqu'un. Puis il aurait été téléchargeable, puis ça m'aurait pas posé problème. Aujourd'hui non plus, c'est l'évolution logique. Mais sur une console, mes jeux Mario, mes jeux Splatoon, tout ça, j'aimerais ça comme. Les avoir. C'est ça, il y a comme. Il y a une variation, il y a un feeling différent, physique, que tu as encore besoin. Fait que c'est sûr que je suis un peu. Je trouve ça un peu bizarre, je trouve ça normal, mais il y a une portion de moi qui dit c'est peut-être un peu trop tôt encore. Ben, ça se peut que ce soit aussi des cassettes. Ça pourrait, comme le Game Boy. Comme le 3DS, ouais. Je suis pas capable de porter Game Boy avec 3DS. Le Game Boy 3DS. Le Game Boy 3DS de Nintendo. New Game Boy 3DS XL. Ouais. Ben, la rumeur, ce serait que ce soit deux composants, en fait. Un composant portable et home console qui vont bien connecter ensemble avec le même OS. Ok. Ce serait une bonne chose sur le même OS. Que ce soit intercompatible, oui. Intercompatible, parce que comme ça, ils vont joindre leurs deux parts de marché avec le 3DS et la console. Fait qu'en fond, c'est sûr qu'avec ça, ils peuvent jamais faire de flop. Là. Ouais. Mais le 3DS, c'est déjà son OS, puis il n'y a pas nécessairement de hardware ARM pour se raffiter avec un Android. Parce que s'il va falloir qu'il aille vers Android, quelque chose, un OS quand même assez. Déjà bien développé. Je pense pas que s'ils construisent leur propre OS, j'ai vraiment pas confiance qu'ils fassent quelque chose. Mais la rumeur, c'est que c'est des gens de Google Android qui ont engagé. Ben, c'est ça. Fait que là, c'est ça que moi je me basais sur qu'est-ce qu'il avait dit. Fait que de mettre Android, c'est sûr que la 3DS sera pas transférée en Android. Fait que ça va être une autre console portable pour remplacer la 3DS. Ouais. Là, je verrais quand même que tu as la NX puis tu as un genre de portable qui se connecterait avec. Je peux comprendre ça. De faire une genre de NX, qui est une tablette séparée, que tu t'en vas avec, tu fais autre chose, je trouverais ça bizarre. Ben. Oui, ça serait deux composantes qui. Montrer le prix de la NX pour. Mais quand on parlait, on disait deux composantes pour la NX et non le 3DS. Parce que présentement, la 3DS, le problème, non, c'est que tu n'auras jamais de protocole qui pourra parler directement à une console. Mm-hmm. Ça va toujours aller Wi-Fi. Puis là, c'est ça. Mais c'est pour ça que je dis d'avoir une console puis d'avoir un genre de gamepad, et tu peux partir n'importe où avec, je trouve ça bizarre. Je trouve que c'est un élément un peu essentiel. Ça serait pas un gamepad, ça serait vraiment comme un 3DS. Une tablette, une 3DS, n'importe quoi. Mais bref, que tu as ta console à côté qui vient avec un autre truc. Je trouve la conception que tu achètes ça comme deal, c'est bizarre. Puis tu sais, si tu veux jouer en multiplayer, c'est quoi? Faut que tu t'achètes un autre genre de console portable pour que ça connecte les deux ensemble. C'est quelque chose de bizarre. Déjà, la Wii U, que tu aies un gamepad, tu peux pas en acheter d'autres. Tu as juste ce gamepad-là et d'autres personnes qui jouaient. Je trouvais ça un peu tricky. Genre. Puis c'était pas leur plan initial. Si on se rappelle, il y avait annoncé au début que la Wii U serait compatible avec au moins deux gamepads. Puis que c'est un support final après, en dernier. Ils ont dit, ah, ça va mener dans un peut-être. An. Mais l'exécution qu'on a faite, c'est un peu étrange. Fait que c'est pour ça que moi, une NX avec une tablette, ça vient un bundle, je sais pas. Ça, je la sens pas très bien. Je verrais très bien, par exemple, une NX standalone, qui a ses manettes et ses trucs, qu'après ça, la prochaine console portable puisse s'interconnecter, ça donne des avantages. Ça, je verrais ça. Ça, si j'ai aucun problème. Le plan, c'est ça, qui selon les rumeurs, sauf qu'il sortirait la version portable avant. Okay. Puis après, la console. Puis la console marcherait seulement avec des manettes, mais le gamepad de la Wii U serait compatible avec comme une manette. Okay. Puis ils vendraient probablement le gamepad à part. Ça m'étonne parce qu'ils n'ont vraiment pas une habitude de faire ça. Là. Il y a juste la manette de Wii qui est compatible avec la Wii U. Mais le gamepad, c'est comme, tu peux même pas utiliser une manette de GameCube sur, sans l'adapteur. Puis l'adapteur, il fonctionne juste sur une console. Je sais pas, faudrait qu'ils, qui est mal fait, faudrait qu'ils retravaillent comment ils font leur hardware pour que ça soit tout intercompatible. Puis là, ça serait vraiment cool, mais moi j'ai l'impression que ça va plus être, ça va venir avec plein d'autres hardware et plein d'autres affaires qu'il faut que tu achètes pour ce système-là. Puis ce que je veux vraiment pas que ça soit, c'est un genre de téléphone cellulaire Android pour Nintendo. Ça, s'ils font ça, une tablette Android pour Nintendo, je crois qu'on va aller chier, là. C'est n'importe quoi. Là. C'est ouf. Tu sais, ça pourrait être cool que ta tablette Android déjà existante ou iPad puisse se connecter dessus. Ça serait quelque chose de spécial, d'intéressant. C'est quelque chose qui n'avait pas été annoncé pour Xbox One, des moyens. Non, là, avec. Je pense qu'il appelait ça Glass. Ce que je mets, il me semble que c'est la tablette. Ok, mais quand il avait annoncé, il me semble, l'Xbox One, il avait dit que ça va être compatible avec toutes les tablettes. Donc c'était comme pour faire comme dans tes dents Nintendo avec ton gamepad qui vient. Puis finalement, ça n'a pas été intégré. Ouais, mais c'était déjà. C'est pas un feature que tu fais comme oh, oui, je vais absolument utiliser cette personne. Non, c'est ça, à un moment donné, c'est que ça. Ça peut être cool, ça devient une grosse remote control, mais. Même la Wii U, si tu fais d'autres, trouve un peu qu'ils ne savent pas trop quoi faire avec ça, même Nintendo. Il y a Star Fox qui s'en vient, qui se vendent beaucoup que c'est deux écrans séparés, que ça génère 60 frames chacun, fait que c'est sûr que le jeu est downgradé à cause de ça. Parce que c'est vraiment deux images séparées. C'est pas un feature, c'est plus un problème. Ben oui, mais je sais.
de regarder. Puis ce que j'ai remarqué, moi, ce que je trouve bien dommage, parenthèse pour Star Fox, j'ai vu le démo où est-ce qu'il pilotait avec la manette. Puis moi, je m'attendais à ce que tu pilotes un vaisseau avec ta manette. Non, tu pointes ton viseur avec la manette. Puis tu non, ça pète un peu mon feeling. Prends le cerveau. Mais pareil, ça prend un petit peu d'adaptation. Ils vont faire un mode, par exemple. Mais moi, je jouerais jamais avec ça. Moi, j'aimerais pouvoir tourner mon écran off, que ça devienne 100% de les performances de Wii U s'en va dans l'écran. Là, je joue, puis je m'en fous de dual screen. Peut-être dual screen, changer mon shield pour que j'aie plus de shield en arrière, des affaires de même. Mais tu sais, il n'y a même pas ce concept-là dans Star Fox. C'est ça, Star Fox, c'est toujours un peu foutu. Même, je ne le mettais jamais en mode cockpit intérieur pour avoir la cible. J'aimais ça voir mon vaisseau. J'ai toujours aimé ça voir mon vaisseau. Je ne sais même pas pourquoi on peut faire ça. Ouais. Ok. Oui, on peut. Je me souviens pas. Mais c'est pas. Je l'ai pas joué. C'est comme les jeux de course sur ce que tu mets à l'intérieur des fois, puis tu vois juste comme. Les deux ont une valeur certaine, ça c'est sûr. J'ai joué à pas mal de simulateurs, puis des fois, c'est pas naturel d'être en dehors de ton véhicule, mais tu vois plus. Fait que c'est très utilisable. Par exemple, quand t'es en mode pour chasse, t'es mieux d'être dans le cockpit pour justement avoir cette espèce de capacité-là à viser. Mais encore là, il faut que le gameplay, puis les contrôles soient faits en conséquence. Si ça te donne rien de plus, puis ça fait juste créer des troubles, ça donne rien. C'est comme GTA, je me mettais jamais complètement dans l'auto. T'sais. C'est le fun de voir l'environnement autour. GTA est juste absurde. T'as pas besoin d'être en voiture et conduire avec ton volant. En fait, ton habitacle fait juste te cacher de la vue. Fait que tu vois rien. Puis tout te rentre dedans. T'es comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu peux même pas regarder à gauche, à droite. T'es juste comme. Ben oui, c'est ça, pour venir avec la NX, c'est ça, je suis un peu curieux. J'ai l'impression qu'ils vont comme se trop se pitcher dans le mode « Ah, tout est connecté, tout est online », puis ils n'auront pas vraiment la présence d'esprit pour avoir une structure intéressante. Ouais, ben, vraiment qu'ils engagent les gens. Du monde excitant, faut qu'eux autres aient une expertise là-dessus, tu sais. Faut qu'ils se développent leur expertise, faut qu'ils se développent cette espèce de savoir-faire-là, qui engage deux, trois personnes qui connaissent vraiment comment que ça fonctionne. Puis qu'ils l'intègrent dans leur savoir, parce que c'est ça qui leur manque à Nintendo. Et c'est pas d'avoir des firmes à l'extérieur qui font du meilleur travail qu'eux autres, c'est qu'eux autres, même, ils aient conscience de ce qui se passe dans la vie. Mais ce qui fait peur, c'est que présentement, ils n'ont pas cette qualification-là. Si tu en vas sur la Wii U, tu essaies de chatter avec un de tes amis. Mais ça, là, impossible. Tu essaies de savoir c'est qui qui est online. C'est moi de tout, prendre ton cellulaire et l'appeler. Tu sais, ouais. Je comprends pas ce qui est arrivé quand ils ont conçu le menu. Ils n'ont pas cette expertise-là, ils n'ont pas ce sentiment que ça c'est nécessaire. Mais ce l'est, puis ils sont pas en touch avec la réalité. On peut le voir partout, tout le monde, des commentaires qui disent sur tous les produits, c'est tout le temps pourquoi vous avez pas fait ça. T'sais, on est habitué sur toutes les autres plateformes que ça existe, mais vous l'ignorez, c'est bizarre. Mais en même temps, pour moi, c'est pas impossible rendu là de faire un giant leap, de faire un gros pas en avant en se mettant à jour. C'est pas. Mais le danger, technologiquement, les giant leaps, si tu fais ça avec quelqu'un qui a pas le knowledge, il se plante. C'est pour ça que le giant leap, si tu le fais et tu réussis, c'est parce que tu as vraiment réussi à bien jouer tes cartes. Puis Nintendo, c'est pas ceux qui sont les plus stratèges. C'est du monde qui vont faire des gameplays super intéressants, qui vont faire des innovations, mais c'est pas ceux qui vont nécessairement te donner ce que tu t'attends à avoir. Puis c'est ça qui est présentement un gros défaut pour eux autres. Puis avant, c'était plus ou moins important, mais maintenant, avec l'interconnectivité puis l'univers social, ils ont besoin. C'est possible, c'est juste qu'en ce moment, je pense que tout le monde, puis nous aussi, on est sceptiques parce que ils n'ont pas démontré, ils n'ont pas livré la marchandise depuis longtemps. Exact. De ce côté-là. Juste, c'est comme tu dis, on peut voir qu'un ami est online, mais on peut même pas dans le menu ami chatter. Tu sais, il y a comme une déconnexion. Tu peux voir qu'il est online, mais ça prend tellement de temps d'être dans ton module d'ami que là, t'es comme Ah ouais, il y a personne qui est online sur ma console. Puis ça aussi, d'autres problèmes. Même s'il y avait le module de chat et tout ça, il y a tellement peu de personnes qui jouent sur la console que les trois quarts du temps, 90% du temps, ta liste est vide où il y a une personne qui est connectée puis elle joue à un autre jeu complètement que toi. Fait que t'as pas, y a pas cette espèce de. Mais faut que ça dise que ce que tes amis jouent. Ben oui. Mais ça, tu vois, c'est une des affaires que j'aimerais, c'est que un OS qui va vraiment vite. c'est épouvantable que ça. Faut que ça soit snappy. Je comprends même pas, puis comme la Wii U a été conçue pour avoir un gig de RAM dédié au menu parce qu'il était supposé faire du multitask pour plein d'affaires, puis je sais pas ce qui est arrivé. C'est comme. C'est lourd, c'est lent, mais c'est même pas. T'sais, y a même pas d'animation intense comme. Comme un cellulaire, ça fait tout fou flou. Moi, c'est l'architecture. Je pense que l'architecte qui a développé ce hardware-là, il n'a pas pris ça en compte, puis il n'a
pensais pas à toutes ces utilisations qu'on voudrait faire. On peut même pas avoir deux applications qui rentrent ensemble. Mm-hmm. T'as tout pris pour qu'on ait des groupes pour regrouper des icônes, ça a ouais. été long. Ouais, ça a pris un puis il n'y a pas de thème, il n'y a rien. Le 3DS est rendu beaucoup plus poussé, même si c'est à peu près la même interface. Mais il y a plus de user base sur la 3DS, fait qu'il y a un sentiment, puis il y a plus de feedback d'un, puis il y a un sentiment d'urgence à développer ces features-là pour maintenir la plateforme. Ouais. Puis ça aussi, c'est plate parce que nous autres, on a l'impression que la plateforme, quand même, il y a des millions d'utilisateurs, c'est plus que beaucoup de consoles dans le passé. Mais dans la réalité du marché maintenant, ben, c'est ça, ils ont besoin d'en vendre beaucoup plus pour qu'on soit une part du marché intéressante. Puis ça, c'est un peu bizarre. Ça, c'est un peu... Ben, tu te retrouves pogné à cause de ça. Ils n'en vendent pas assez parce que les features ne sont pas développées. Mm. Fait qu'ils ne développent pas les features. Fait que c'est ça, ça devient une roue grosse. Puis... Dans le fond, c'est là qu'il faudrait qu'ils fassent comme, ben, c'est pas une excuse, il faut faire bien les choses, pour exact. Au moins prouver aux gens. La qualité avant tout. Si t'es pas capable de faire de la quantité, ben, fais de la qualité. Mais, écoute, il y a tellement eu de feedback à travers le monde, à travers tout sur la Wii U. Ouais. Je peux pas croire que là, ils décident pas, là, mettons le tout pour le tout, faisons bien les choses. Ouais, ben, je pense que c'est là-dessus, ils misent la NX. Je pense que la Wii U, ils l'ont juste abandonné, ils se sont dit. Même s'ils disent, ah non, n'abandonne pas, continue à développer dessus. Moi, je sens que la NX, ça va être là-dessus qu'ils vont essayer de se réinventer pour le hardware. Puis j'ai l'impression que ça va être aussi un hit or miss. T'sais, s'ils réussissent pas, c'est ça. S'ils réussissent pas, ils risquent de tomber dedans tout ce que les analystes ils poussent, de transcender 100% mobile, de devenir comme Sega, juste faire des titres, puis être super plate, puis de se imploser à travers tout ça. Ça pourrait être très dangereux pour eux autres, mais il faut vraiment qu'ils réussissent la NX. Sinon, mais c'est pour ça aussi qu'ils parlaient de deux composants. Je trouve que comme ça, ça réduit le risque parce qu'ils vont tout avoir leur user base de 3DS pour aller vers ça. Selon la rumeur, leur stratégie, c'est de sortir le remplaçant de la 3DS étant la NX portable en premier. Oui, mais ils viennent de sortir la New 3DS. Je sais, c'est ça que je trouve bizarre dans la rumeur. Mais selon aussi ça, c'est que c'est pas tout de suite. Ils disent que la Wii U a encore un... 2017. Ouais, mais la Wii U aurait... C'est qu'ils en parlent au E3 2016. La NX. Non, il disait que la NX, ça s'en venait pour 2016, puis il disait oui, ça s'en est proche. Non, initialement. Puis après ça, il disait qu'il allait continuer la Wii U, le développement de la Wii U malgré ça, parce que oui, la NX, c'est vraiment tôt, mais que ça allait continuer. Je pense pas qu'il y a une petite date pour la NX. Mais... Bon, je sais pas. Moi, j'avais entendu une date qui disait 2016, mais je pense pas que ça peut. C'est pas une bonne idée, surtout que ça c'est pas une bonne idée, mais c'est Nintendo, fait que ça se peut très bien. Je te dis, ils ont pas assez de ventes présentement avec la Wii U, puis ils voient, là. Tu vois les titres, surtout Nintendo of America qui patauge dans le beurre, ils sortent rien présentement parce qu'ils disent, ça se vend pas, mais parlons de magasin, ça, leur stratégie de rien sortir de l'été parce qu'ils disent qu'ils se vendent rien l'été. Ben, c'est ça, ça crée que présentement on a l'impression que Nintendo c'est mort, puis en même temps, on va être enseveli de jeux, d'ici Noël. Puis les gens ne peuvent pas tout acheter en même temps. Le choix de reporter Yoshi Woolly World qui est sorti, c'est quoi, en juin, je pense, partout dans le monde. Bon, je ne pourrais pas dire la date exacte. Il est sorti en juin, début juin. Au début de l'été. Puis nous, on n'a rien eu. On était à jouer là, sur la Wii U. Puis là, il va sortir. Ils vont le sortir à peu près une semaine après Mario Maker. Mario Maker va complètement l'enterrer, c'est ça qui est pas. Ah oui, puis en même temps, t'as Chronicles, c'est quoi le jeu là? Il y a Xenoblade Chronicles, Devil Third, il y a. Ouais, Evil Third. Ouais, ça, il est coté 3 sur 10 par Third. Third. Mais c'est un ressort, pas de mal aussi. Ok. Mais c'est ça, fait qu'on ignore. Il est coté 3 sur 10 par IGN. On ignore un peu ce titre-là, mais tu sais, il y a plusieurs titres qu'on attend qui s'en viennent tous ensemble. Puis en même temps, moi, vu que j'ai quand même d'autres plateformes, tu sais, c'est sûr, si tu joues juste Nintendo. Des bons jeux 3DS aussi. Ben oui. Même si tu joues juste Nintendo. Ils se font compétition entre eux-mêmes, mais en plus, ils arrivent dans un moment où il y a des compétitions, mais féroces. Tu sais, moi, je vais avoir Battlefront, puis je vais avoir Fallout 4. Qui sortent en même temps. Puis là, pendant E3, j'ai pré-orderé des jeux parce que je me suis dit, ça serait vraiment le fun de profiter d'un spécial qui faisait un 30% de rabais, fait que je me suis pitché. Puis quand je suis en train de réfléchir, je serais mieux d'annuler mon Xenoblade Chronicles, je vais jamais jouer. En plus, tu peux jouer plus tard. Non, ça marche pas de même. Faut que tu joues avec. Ben non, plus maintenant. C'est ça qu'on réalise de plus en plus. Si tu l'achètes pas au même moment que tout le monde, c'est un jeu multiplayer. Tu joues pas tout seul. C'est pas un multiplayer. C'est très multiplayer. C'est un MMO. C'est fait à même roue. Fait qu'un jeu comme ça, tu vas le jouer avec tes amis. Tu vas vouloir faire des séances avec tes amis. Si tu l'achètes plus tard, ben là, tes amis en général joueront plus. Les autres vont déjà avoir migré sur un autre jeu. Les cycles de jeu avant, oui, c'était mieux un an, c'était deux ans. Tu pouvais jouer à des jeux vraiment longtemps. Mais maintenant, c'est 3 mois, 6 mois max. Mm-hmm. Puis ça, c'est dommage, mais c'est ça. Fait que si tu l'achètes à ce moment-là au plein prix, il vaut pas la peine pour la suite. Par contre, c'est sûr que tu peux ne pas l'acheter initialement, attendre qu'il y ait un rabais à 45$, 40$. L'acheter à ce moment-là, puis là, déjà, tu réussis à en avoir un peu plus pour ton argent. Tu peux réussir à trouver
du gameplay à jouer, mais les jeux, surtout quand c'est les jeux multiplayer, c'est impossible de suivre par la suite. C'est pas sûrement quand c'est les Xenoblade, parce que oui, après ça a été bien expliqué, puis c'est pas du multiplayer, on peut même pas jouer ensemble, aller attaquer des monstres, c'est juste single player. C'est quoi qui montrait quand on était 4 gars, 3 gars à, c'est des gens in-game qui viennent avec toi. C'est complètement... Ouais, les features multiplayer, c'est genre... des affaires qui arrivent dans les shops, genre parce que tes amis ont fait des affaires dans le supermarché. Il n'y a aucun gameplay. Je pense pas. Non. Pas de co-op du tout. Je pense pas. Bon, ben, c'est un jeu que je viens d'annuler. C'est vraiment dommage parce que ça aurait pu être comme. Mais anyway, comme je te dis, même si ça avait été co-op, ils auraient tout développé un super bon gameplay. Moi, j'aurais été sur Battlefront puis sur Fallout 4. Fait c'est impossible. Puis Fallout 4, c'est single player aussi, mais Fallout 4, c'est ça, je ne vais pas me faire spoiler de moment ou quoi que ce soit. Fait, puis j'étais un gros fan de cette série-là. Fait que Xenoblade, à un moment donné, je vais peut-être y retourner, mais ça va être vraiment, vraiment fort. Mais c'est sûr que tu regardes ça, puis. Ça vaut pas 67. Xenoblade est très joli, là, quand même, au côté contre le monde, puis tout. Mais je veux dire, quand même, Nintendo a l'air dépassé un peu quand tu checks qu'il y a Fallout 4 qui sort en même temps. T'es comme. T'es toujours impressionné en regardant Fallout 4, qu'est-ce qu'il montre. Mais le fait, c'est que les visuels sont pas si beaux, mais c'est parce que le gameplay, tu tripes sur Fallout. Le gameplay d'être dans un open world, c'est pas pour rien que Skyrim, c'est un jeu que tout le monde a trippé. Ben non, c'est ça. Moi, je m'attendais à vraiment plus joli que ça. Mais par exemple, tu sais, d'avoir le Vertibird, d'avoir ben, ton chien qui t'accompagne, ça, c'est tout le temps un feature depuis Kingdom Hearts Fallout. Mais c'est ça, t'as un compagnon qui va te suivre et qui va faire des opérations cette fois-là de ta base. La power suit, qui n'est plus juste un vêtement, mais qui est vraiment une suit. Ouais, bref, t'as toutes ces features-là qui viennent s'ajouter, le scavenging, le crafting, c'est juste trop d'affaires pour l'ignorer, ce titre-là. Fait que quand tu vois en comparaison les autres titres qui s'en viennent sur n'importe quoi, même si c'est super intéressant, ben il se fait overshadowé par le titre. Fait que de sortir tous leurs jeux au même moment en comparaison avec ces jeux-là, c'est suffisant. Puis c'est plate parce que Fallout 4, ça aurait été un bon jeu pour remplir mon PS4 que je joue jamais, mais je vois pas comment je vais faire du crafting de maison avec une manette de PS4. Non, ça marcherait bien. Ah. Oh, oui, je te garantis qu'ils vont le travailler. Mais c'est vrai qu'il y a un pad de souris, touch ça. Puis pas juste ça, c'est ils vont peut-être pas l'utiliser. Tu bouges ton objet par rapport à un axe, fait que tu fais juste le tasser, tu mets de même, tu le fais tourner. Ouais. Oh, oui, je te garantis. Il simplifie au bout pour les consoles d'habitude. Nous autres, c'est nous autres au PC qu'on se fait un peu plus chier. J'ai un PS4, mais je joue jamais. J'ai rien à jouer dessus. C'est vraiment le désert, le PS4. C'est cristal. Ouais, toutes les consoles. C'est pour ça que Nintendo n'est pas en si mauvaise position cette année, mais c'est sûr qu'une grosse sortie comme Fallout 4, ça peut complètement éclipser plein de jeux. Non, moi c'est clair. Ben, est-ce que tu vois Star Fox, hein, j'ai pas oui, non. Star Fox, plus je le regarde, moins ça me tente. Oui, je l'ai précommandé, mais. Et moi, j'ai vu des nouveaux footage la semaine passée, puis là, ça m'a un peu excité. Je sais pas. C'était très. C'est, on dirait que c'est irrégulier ou qu'ils ont comme plus travaillé. Parce que j'ai vu des tableaux que c'était vraiment très très joli. Le joli, moi, je m'en fous pas mal. Tu te transformes en oiseau, je sais comment. C'est un feature intéressant, j'ai hâte de voir ça. Mais je le vois en oiseau, je vois le combat, comment ça se passe. Puis t'as l'air d'être encore sur une espèce d'axe, puis jammy. Tu veux dire le petit deux jambes. Oui, le petit Walker. Qui est Star Fox 2 du Super Nintendo qui est jamais sorti. Genre, mais ce que je veux dire, c'est que le walker, il a pas l'air d'être un walker. T'as pas l'impression d'être comme vraiment mobile puis d'être free roaming, non? Tu t'en vas quand même complètement en avant, à deux pattes. De côté. Mais t'es comme poigné de main puis t'as l'écran qui te pousse dans le cul pour avancer. Fait que, l'écran te pousse dans le cul? Oui, tout le temps. Sauf quand t'es en mode. Dans ça, là aussi? All range mode. Ben oui, c'est all range mode quand il part, que là, tu peux revenir puis tu peux te promener. Mais c'est ça, non, le jeu est pas fait en all-range mode tout le long. Moi, un jeu, Star Fox, serait complètement en all-range mode, c'est ça, ça m'attirerait plus. Mais c'est encore sur une rail, puis tu joues. Mais je déteste pas ça. Non, mais vu, quand ils ont annoncé le jeu, j'ai ressorti, j'étais le pogné sur 3DS, puis j'ai eu du fun initialement sur le 3DS, mais j'ai joué comme 6 heures, peut-être 4 heures. Mais j'ai fait les niveaux pour faire les branches. Puis là, c'est ça, j'ai fait le tour, puis je me suis dit, ah, c'est vrai, c'était ça le gameplay. Ça a mal vieilli, genre, c'est pas quelque chose qui garde sur le point des pieds, c'est juste des affaires de score, de réussir à unlocker. Genre, t'as réussi ce niveau-là avec tout parfait, whoop-de-whoop. C'est plus quelque chose qui vient me chercher. Puis c'est souvent cool, les Star Fox. Puis ce que je trouve plate, c'est qu'il aurait dû casser la formule avec celle-là en faisant un gros jeu complet. Mais c'est un petit jeu développé en un an et demi rapide pour combler un trou de Zelda qui n'est pas sorti. Ouais. C'est carrément ça. Puis sérieusement, la façon dont on en parle, c'est comme. Tu veux jouer à un Star Fox, tu veux pas jouer à un Transformer ou je sais pas trop quoi. C'est ça. Tu peux jouer juste avec un avion, ça me dérange pas. Ben c'est ça. Puis mettre beaucoup de tableaux en All Range Mode, puis ça j'aurais trouvé ça vraiment vraiment plaisant. C'est les All Range Mode que j'ai le plus de fun en fait.
c'est d'être une raille et de manquer ma shot parce que je vais aller chercher l'objet, mais je rentre dans une colonne. Je me sens pas comme un super pilote écœurant, je me sens comme un abruti qui rentre dans tout. Puis, c'était surtout Super Nintendo. Épouvantablement dur d'éviter les obstacles. Ah ouais. C'était tout le temps quelque chose qui t'arrive d'en face. C'était du 13 frames. Ouais, non, c'était très ralenti. Puis t'avais tout le temps ton mot, t'as dit, c'est quoi Skippy? Skippy qui mangeait tout le temps des shots dans le cul, puis là t'es comme, je veux te sauver, mais j'arrive pas à tirer comme tu lâches une bombe claire au final, puis tu te demandes pourquoi Sleepy. Sleepy. C'est Sleepy, ouais. Ouais, la grenouille. Mais Pepi aussi, puis toute la gang, non, c'est pas Skippy, mais je me suis retrouvé. Fait que t'as Sleepy, t'as Pepi, t'as Falco, toute la gang, tu sais, c'est toi des pilotes, des ace pilotes, puis ils sont tout le temps comme, aide-moi, j'en ai trois sur le cul! Là t'es comme, rapproche-toi, reste devant moi, je vais être capable d'étirer, moi je suis pas capable de suivre, là, j'ai trouvé ça un peu. C'était pas si pire quand ils voyaient passer en avant. Oui, la première fois, mais après ça, ils s'en allaient plus loin. Fait que là, fallait que tu portes des boosts pour réussir à te rapprocher. Puis même en te rapprochant, ben là, tu créais des espèces de défectuosité dans le tableau parce qu'il y avait des affaires qui n'avaient pas encore triggeré. Puis là, les portes n'étaient pas ouvertes. Fait que comme, j'avais super mal à sauver Sleepy. Puis à chaque fois, je me sentais comme un petit genre, mais voyons, je suis pas bon. Ou tu tirais dessus pendant que tu essayais de sauver Sleepy. Puis là, ils disaient, t'es con, là, tirer dessus. Puis tu fais, ben j'essaye. Donne-moi des chances. J'essaie vraiment de te sauver, je veux vraiment te sauver, mais je suis pas capable. Je me sens pas bon. Ouais. Puis là, je faisais le tableau. Puis là, j'étais comme, tu sais, il y a un petit truc de réparation sur lui. Puis je suis comme, mais voyons, je suis pas bon. Je sentais juste pas bon à chaque fois. Ouais. Ou quand t'es en tank, pour essayer de tirer les avions en haut, fallait absolument que tu fasses ton boost pour réussir à locker dessus puis le péter. Puis t'espérais le tirer celui du milieu pour que ça poigne les deux. C'est aussi le target lock. J'avais beaucoup de difficultés à essayer de locker sur le bon ennemi que je voulais vraiment locker. Il lockait sur le premier, puis là j'étais comme jammé dessus. Puis j'étais non, deuxième, trois. J'étais pas capable de comme changer mon lock de place. Puis ça c'était bien frustrant. Puis encore là, j'ai joué à bien des simulateurs qui sont super plus complexes que ce jeu-là. Puis le système de lock, le système de vol et tout, ça j'ai beaucoup aimé. Fait que j'aime le concept de base de Star Fox, j'aime le gameplay qui pourrait être Star Fox, mais c'est ça, Star Fox. Mais laisse une chance, on n'a pas joué. Les gens qui ont joué ont dit que le film est bon, puis tout ça, puis tout ça. Ben pour un Star Fox, j'espère, parce que Assault, c'était un peu pénible. Ouais, faut pas que ça copie Assault, ça c'est sûr. Non. Si ça fait Star Fox comme Star Fox 64, ok, à la limite, mais 65$ pour ça, encore là, je trouve que c'est beaucoup d'argent pour un jeu de ce calibre-là. Mais c'est surtout une question de durée. Si le jeu est pas long, je le vendrais pas ce prix-là. Puis ils ont fait des jeux qui ont vendu moins cher là, à date. Là. Kirby Canvas Curse, il était moins cher, je pense que c'était 49. Ouais, mais c'est considéré comme des sub-games, tu sais, comparativement, mettons. Mais pourtant, c'est les Mario, c'est plus long que Canvas Curse. Mais les Mario, les Zelda, les Star Fox, toutes leurs flagships, les Metroid, ils vont tout le temps les vendre full price. C'est ça qui est un peu dommage. Sauf peut-être Federation Force, parce qu'ils ont vu comment que le monde a détesté le démo, là, mais bon. Fait que c'est ça, ils vont tout le temps mettre 65$, moi je trouve que c'est un petit peu une erreur. Puis en même temps, s'ils baissent le prix, ça a un effet psychologique, il est peut-être moins bon. Fait que, mais moi, ça joue un peu là-dessus, puis ça, je trouve ça vraiment dommage, on est calme comme espèce là-dessus. Puis de toute façon, moi, tu sais, ce jeu-là est fait pour combler le vide que Zelda a laissé. Moi, ça faisait comme 2 ans que j'étais mentalement préparé à passer ces vacances de Noël-là à jouer à Zelda. Et c'est très dur pour moi. Ouais, mais Star Fox remplacerait pas Zelda? Non. Techniquement Fallout pourrait remplacer mon Zelda? Oh, ouais, c'est plus jouer à Fallout, mais je veux dire, il n'y a rien qui peut remplacer mon Zelda. Ben non. C'est aussi Zelda. Mais je veux pas qu'il sorte quelque chose comme en février, c'est ça qui est plate, tu sais. Tant que ça, je me dis, mais c'est mieux qu'il sorte en novembre l'année prochaine. Non, mais pourquoi pas en février? Parce que c'est pas vendeur pour un Zelda, c'est comme en plein, ça sort pis. C'est bon avant Noël. Tu l'aimes, c'est tout. Je sais, mais Skyward Sword justement avait été reporté puis est sorti en février, puis c'est pas vraiment. Honnêtement, Fallout 4 pourrait sortir septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, tout n'importe quel mois. Toi, tu me le sors maintenant, je suis comme yay, tu me le sors en novembre, je fais ouh, tu me le sors en décembre, oui. Tu me le sors en mars, tant que je l'ai, je suis heureux. Mais il y a comme de quoi, tu sais, un bundle Wii U avec Zelda dedans qui peut vendre des consoles. Ah, mais ils peuvent le vendre n'importe quand. Ouais. Si un titre est bon, le monde va vouloir l'acheter, peu importe le mois, peu importe l'année. Ouais. Fait. Mais il y a des mois plus stratégiques que d'autres. Il y a des mois plus stratégiques, c'est certain. Pour la vente de console, pour quelqu'un qui n'a pas la console. Quand tu n'as plus de budget pour t'acheter un jeu parce que tu as déjà acheté une console pour Noël, puis là, ah, désolé, tu peux pas l'acheter celle-là. Ouais. Mais en même temps, les vrais fans, c'est sûr que les autres vont vouloir l'acheter. Fait que c'est plus pour aller chercher les espèces de consommateurs, que les autres sont plus casual, puis ça leur dérange moins. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'argent à faire dans ce marché-là, mais c'est un peu dommage que tu fasses des positions stratégiques pour ce monde-là qui sont pas leurs vrais fans. Mais c'est tellement désertique sur la Wii U, on dirait qu'en ce moment, depuis le début de la Wii U, il y a deux dates qui comptent. Novembre, ce qui sort, mettons, les Mario 3D World avec les affaires,
puis le mois de mai où ce qui nous sortent il y a deux ans Mario Kart 8, l'année passée Splatoon, cette année Splatoon, puis décembre c'était 3D World, Smash, c'est ça là, novembre. Ouais, tout ça weird. C'est comme il y a deux dates dans l'année où tu achètes tes jeux Nintendo, puis le reste de l'année, sèche! Continue à jouer à nos jeux, mais on sort pas vraiment de DLC, pour les avoir un peu abandonnés. Puis avant, il y avait pas de DLC. Complet. Avant, il faisait juste que le jeu était bon, puis tu voulais jouer à l'année longue. On a discuté souvent, il manque des affaires en peine, les jeux. Ben, c'est ça. C'est qu'ils font pas, ils sont plus créés maintenant pour survivre longtemps. Ils sont créés maintenant pour être consommés de suite, puis après ça, que te permettre d'en acheter un autre plus tard. Ou créer un mode online, puis espère qu'on va jouer à l'infini parce qu'on est accro. Mais... Moi, c'est pas de temps. Tu sais, quand je suis seul chez nous, j'aime ça avoir de quoi d'avion à jouer avec. Ouais, tu peux jouer quand même. Tu sais, McQuarrie Online joue sans avoir d'amis. Hein. C'est juste que j'upgrade mon bonhomme et je fais de quoi qui l'intéresse. Ben oui, mais t'as de quoi faire. C'est niaiseux. Ouais, mais Splatoon, ils viennent de unlocker les niveaux, mais ils servent à rien. Ouais. Tu fais juste. Pourquoi? Tu sais, c'est du e-bin, là. On s'en fout. Non, il y a le single player, j'ai beaucoup aimé de Splatoon. Le single player, oui. Cool. Tu peux le refaire par exemple, puis pour moi c'est l'éclairant d'un genre 100%. De, un petit Mario Galaxy, là, une espèce de. Avec un gameplay spécial. Puis, ouais. J'ai bien aimé ça, mais c'était cool. C'est quoi, c'était un 5h, 6h à peu près. Ouais. Mais c'est ça, le multiplayer peut être très très fun, mais il y a tellement de lacunes qu'à chaque fois que tu te prépares à jouer, t'as tout le temps le sentiment maudite marge, j'ai pas le goût de ça, maudite marge, j'ai pas le goût de ça. Fait que tu pars la console, t'es comme, oh fuck off, je vais aller jouer sur un autre affaire qui est plus facile à partir. Pis c'est le gros problème, c'est le genre d'affaire que la première affaire quand tu designes ton jeu, tu vas pas avoir cette espèce de barrière-là de non, ça me tente pas. T'sais, pis c'est con, parce que là, on a souvent parlé, mais les deux maudites filles au début, c'est une méga barrière pour moi. C'est à chaque fois que je le pars, je suis comme, faut que je pèse 36 fois up, pis là, je sais que j'ai comme 12 armes qui m'attendent. Fait que moi, je suis comme heureux qu'il y ait du nouveau contenu, mais là, je suis en train d'anticiper qu'il va falloir que j'attende pendant 12 armes. Quand je vais aller dans le magasin d'armes pour qu'ils me disent. Pas qu'ils enlèvent tout le monde. Enlever ça, tout le monde leur dit d'enlever ça, mais ils le font pas. Ils ne servent à rien. En tout cas, 2 minutes de démo. Ah, c'est épouvantable. Puis, étonnamment, à date, à la Wii U, ce que j'ai passé le plus de temps en heures à jouer, puis il y a des jeux que j'ai joué 500 heures, vous le savez. C'est pas des jeux développés à l'interne dans Nintendo. C'est Hyrule Warrior, qui est fait par Namco. Ouais. Qui est largement supporté par exemple dans Nintendo. Oui, mais... ça oui, mais l'autre c'est Lego City Undercover. Puis un autre Lego que j'ai joué beaucoup avec, surtout avec Mathieu, puis après avec toi, c'est Jurassic World. Jurassic World, je pense que c'est un des jeux les plus vendus cette année, Lego Jurassic World. C'est épouvantable, il est au top des charts. Ouais, mais les Lego, tu les vois, là, quand tu t'en vas dans la section Nintendo, à chaque fois il y a 75 affaires Lego, tu fais. Quel arrêté bon les Lego! Mais quel bon coup qu'ils ont fait, les Lego! Oui, mais à cause de ça maintenant, à chaque fois que tu y vas, et oui, il y a des bons jeux Lego, puis on peut pas leur enlever, ils sont en généralement bien faits. Il y a des bugs pas mal aussi. Peut-être. Mais c'est surtout que, tu sais, t'as un jeu Lego, t'en as 36, c'est tout Lego, tu sais. Même si c'est Marvel, même si c'est Jurassic World, même si c'est n'importe quoi, c'est un jeu Lego. Fait faut que t'ailles le goût de jouer à un jeu Lego. Fait quand t'en as 15, puis même si t'en achètes un de la gang, t'arrives au magasin, t'as le goût d'avoir du nouveau contenu. Si t'es inondé de Lego, tu vas te faire chier à chaque fois d'y retourner. T'as pas le goût de voir, y a-tu un nouveau titre, parce qu'à chaque fois tu vois, ah, y a un nouveau Lego encore. Y a 3 nouveaux Lego c'est encore. C'est sûr, faut que tu fais des choix par rapport à des franchises que t'aimes le plus, tu sais. Jurassic World, c'est le fun parce que c'était la trilogie Jurassic Park. Tu sais, je connais bien ces films-là. J'avais quand même pas la trilogie, mais la quadrologie. Puis l'autre, c'est Lego City Undercover. Puis moi, quand j'étais jeune, c'était Lego City que je préférais dans les jeux. Fait que je trippais, là. J'étais comme, ah, j'ai ce truc-là, j'ai déjà fait. Puis là, je rentre dedans, puis je le démolis. Mais il y a eu un 3 ans d'intervalle entre les deux. Là. J'ai pas joué back-à-back pour les temps. Moi, ce que je pense, c'est l'espèce d'effet psychologique que t'as quand t'arrives devant une pile, tu sais, au magasin ou dans vidéo. Les bacs à 19$. Ouais. Ben, pas nécessairement bac à 19$, mais ça aussi, ça ajoute au psychologique. Non, c'est que t'arrives, puis tu regardes la colonne, puis tu vois que c'est tout le même titre. Fait que tu dis, ah, la Wii U, c'est un console à Lego. Ben, tu regardes la 3DS, même affaire, c'est quand tu regardes les titres, il y a énormément de jeux Lego. Fait que tu filtres à travers tous les Lego, t'es comme, ok, là, je m'en ai, il n'y a aucun autre jeu qui existe. C'est le seul third party qui supporte encore Nintendo. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est ce problème-là, est-ce que t'arrives, tu identifies, fuck, c'est juste Lego. C'est comme si t'arrives, mettons, sur Xbox 360 dans le temps, tu voyais, c'était juste du Call of Duty, juste du Gears of War, tu fais, ah, c'est ça qu'il y a. Si t'aimes ces jeux-là, si t'aimes les Lego, c'est merveilleux, c'est la console de ta vie. Mais si t'arrives et que t'aimes plus ou moins ça, ben ça vient d'écarter la console pour toi. Comme moi, j'aimais pas Call of Duty, j'aimais pas Gears of War, Xbox, je l'ai pas utilisé vraiment pendant très longtemps, jusqu'à temps qu'il y ait 2-3 titres que je trouvais intéressants. Mais encore aujourd'hui, quand je m'en vais voir les jeux usagés de Xbox, tout ce que je vois, c'est ça. Gears of War, Call of Duty, je suis comme,
tabarnak, j'ai sorti d'autres jeux cette affaire-là. Puis il y en a des bons jeux qui sont sortis, c'est juste qu'ils sont éclipsés par toute cette quantité-là. C'est les Mass Effect que j'ai joué là-dessus, mais t'as des jeux PC. Moi, il y a aussi le fait que Xbox, c'est ça, c'est un clone. PC et Xbox, c'était tout le même type. Ben, il y avait beaucoup de jeux PlayStation, Xbox, puis PC, qui c'était toute la même affaire, avec des sources un peu différentes des fois. Puis, mais encore là, c'est ça, c'est t'arrives là-dessus, puis tu te dis, bah, il n'y a rien vraiment qui m'attire. Mais Nintendo, il aurait avantage à élargir leur inventaire pour qu'on dise, ah, waouh, il y a plein de jeux intéressants sur cette affaire-là. Tu sais, Kirby, il passe inaperçu quasiment. Même pendant longtemps, tu avais Mario Kart Wii. Que le monde achetait à la place de Mario Kart 8 parce qu'ils le mettaient côte à côte et c'était inondé tout le reste. Mais je sais, mais c'est ça, c'est t'es inondé de tous les Lego. T'as genre deux Mario Kart, puis t'en as un qui est marqué oui, puis tu dis oui, ça doit être plus haut que 8. Fait que t'achètes oui. C'est con, même. Ouais. Fait que voilà. C'est, je trouve ça un peu dommage. Comme, le marketing, c'est quelque chose qui revient souvent, mais le marketing de Nintendo est vraiment pas up to par. Mais j'aime bien l'annonce qu'ils ont faite de Mario Maker. Cool. Ok. Tout de suite. Non. Quand même très cool, bien fait. Non, c'est sûr, j'ai pas de nouvelles à part des trucs que tu m'envoies des fois. J'ai presque rien de nouvelles qui sortent de Nintendo présentement. On peut en parler un petit peu. Nintendo est encore dans un état silencieux. Pas de Nintendo Direct. Étagé. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de. Depuis, malheureusement, la mort de Iwata, on ne connaît pas l'avenir des Nintendo Direct. Puis pourtant, il y a eu des Nintendo Direct sans Iwata. Il y a eu des Nintendo Direct où ce que Reggie prenait la parole beaucoup, Bill Trinan, il y en avait plein là. Puis là, ben. Probablement qu'ils sont au niveau plus stratégique de la compagnie, puis qu'ils se reconstruisent une stratégie. Mais c'est pas dur d'engager une firme qui monte ça. Je suis sûr que c'est pas Iwata qui faisait le montage des Nintendo Direct. C'est pas grave. Tous ces gens-là existent là. Ouais, mais t'as quand même des intelligents qui font des décisions, puis là, c'est ça, faut qu'ils reprennent quelqu'un qui. C'est ça, prendre les décisions à sa place. C'est ça, faut qu'ils prennent une nouvelle direction. Ouais. Et en engageant quelqu'un, ben, ils vont avoir les directions, ils vont avoir au niveau de la compagnie, ils vont savoir où ils s'en vont présentement. Ils sont perdus un petit peu. Puis le transfert de connaissances d'un dev à un autre, déjà, c'est difficile. Puis, c'est les composantes quand même assez de base d'une compagnie. Fait que quand tu as une tête dirigeante qui part, il n'a pas réussi à faire son transfert de connaissances, t'es dans le marre, dans ta tabarnouche. Il y a plein de dossiers qu'il faut qu'ils réussissent, que quelqu'un qui arrive prenne en charge, puis ça peut prendre des mois et des mois. Mais sinon, l'idée des Nintendo Direct, c'est une bonne idée, parce que ça créait directement un pont entre les gens, les fans, puis la compagnie. Parce que la compagnie nous parlait directement. C'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Ben, directement, mais comme sur le TDBB, ça j'aimerais ça qu'ils améliorent un peu ça, là, qu'ils disent genre, on a un nouveau produit qui arrive, ça c'est écœurant, il est vraiment le fun, tu sais, qu'il y a des convictions. Puis quand le produit est plus ou moins cool, ou il n'est pas encore rendu comme eux autres, ils veulent, qu'ils disent aussi, ça c'est quelque chose que je trouve dommage, les compagnies souvent, ils nous disent pas quand il y a une faiblesse dans leur produit. T'sais, ils disent, ah, ce truc-là, on est en train de le faire, il n'est pas encore prêt pour le public, on va vous le montrer bientôt, là, mais on va être vraiment, on a beaucoup d'espoir dedans. Tu sais, ça serait quelque chose à dire, qui serait super le fun. À la place, t'as tout le temps Regis qui arrive, c'est le meilleur jeu du monde, puis je suis très content d'avoir. Ouais, on croit pas Regis. Regis, la boum. Tu te mélanges avec le maire de Québec. Ouais. Ben, il y a un peu, là, c'est des beaux parleurs, mais Regis, c'est ça, c'est beaucoup de blabla, puis tu sens que c'est juste une façade, tu sais qu'il joue pas vraiment des jeux, puis qu'il. T'sais, c'est pas comme Iwata qui avait un amour des jeux, qui était un programmeur hors pair, puis qui était. Reggie, c'était le représentant avant Pizza Hut. T'sais. Il passe de Pizza Hut à Nintendo, puis pour lui, c'est un produit. T'sais. C'est ça. C'est souvent le cas d'un compagnie, c'est que le gamer est un peu mis de côté. T'sais. C'est pas la philosophie du gamer qui survit, puis même les compagnies qui se basent là-dessus, Interplay, qu'est-ce que c'était. By gamer, for gamers, par des gamers, pour des gamers. Puis ça fait faillite. À chaque fois qu'il y a une compagnie qui se base sur son user base, je sais pas pourquoi, ça crève. Genre, il y a quelque chose de bizarre dans cette espèce d'industrie-là, dans cette espèce de concept-là. Ouais. Mais ouais, il va falloir qu'ils restructurent quelque chose. Il faudrait au moins qu'ils nous parlent avant tout le boom de Noël, puis tout, juste pour. Ah, ça, c'est sûr, un peu tôt. Ils peuvent pas rester muets jusqu'à Noël, sinon ils vont manquer leur trimestre. C'est impossible. Les Mario Maker sort vendredi, c'est comme leur gros produit qui pousse partout. Des événements, il y a eu un gros événement au centre des sciences. Ils l'ont poussé à semaine. Ils ont sorti tous les magasins qui hostaient et testaient Mario Maker avant de sortir. Tu sais, ils ont quand même assez marketé. Aux États-Unis, les Best Buy, ils ont une grosse banderole sur le devant avec. Je pense que ça, c'était déjà planifié et ça a déjà été enclenché. Mais comme là, il n'y a pas de titre, à part le Yoshi qui s'en vient en septembre, puis après ça, Xenoblade. Je pense que c'est novembre, Yoshi. Il est rendu en novembre. C'était censé être en septembre. Peut-être octobre, excuse-moi. On avait la feuille l'autre fois.
peut-être trouver des dates. Ben là, on est en septembre, je parle un peu plus tard en septembre. Ouais. Mais ce vendredi, c'est Mario Maker. Puis. Ah, il est pas sorti déjà. Pourquoi tout le monde joue avec? Parce que ça fait partie de la promo. Les médias l'ont depuis un mois pour faire des tableaux. Non, mais pas les médias, je vois des let's play de plein de joueurs. Guess et compagnie, non, ouais. Parce qu'ils sont. Les youtubeurs internet, ils ont approché pour. Ok, fait que c'est pas sorti genre en Australie ou en affaire. Non, il est sorti nulle part, il sort mondialement le 11. Ah, c'est weird ça, par exemple. Ça, ils se sont plantés un peu parce que moi, j'étais certain qu'il était sorti à cause que c'était pas annoncé comme oh, on a un preview. Non, c'était juste ça comme. Ça a toujours été. La date du 11 septembre est partout depuis toujours, comme ça. Ça a toujours été le 11 septembre. Et pas le, c'est pas le September 11, c'est le 11th of September. Mais oui, en fin de semaine, à Montréal, au Centre des sciences, il y avait un gros événement avec Mario, la mascotte était là, puis c'était une journée, venez jouer à Mario Maker, venez voir le jeu, avec ça, puis tout. Ouais. On avait été invité d'ailleurs, donc je ne pouvais pas sortir. D'accord. Mais on attend pour que des nouveaux jeux sortent là. Mais tu sais, c'est normal un petit peu là, parce qu'ils montrent beaucoup de vidéos partout sur internet. Fait que là, ça donne l'impression que ça a écrit la hype, mais t'as l'impression mais que le produit est déjà sorti. Mais c'est ça le problème, parce que là, le monde veut l'acheter, puis ça te crée une déception quand il veut l'acheter. Fait que faut vraiment que ça soit annoncé comme étant ça s'en vient. T'sais, faut que tu comprennes que ça s'en vient. Puis ça, si t'as pas réussi à faire ça dedans tes vidéos, t'as fait un problème. C'est là-dedans. Ça revient encore avec l'affaire de Nintendo comprend pas que oui, mais toi, t'es au courant de des nouvelles. Moi, je te parle de. Tu sais, moi, je suis relativement au courant, puis tu vois, j'ai été complètement berné par ce concept-là. Moi, je pensais que oui, ça pouvait peut-être sortir plus tard en Amérique, parce que j'étais confus. Je voyais, ça disait, ça sort bientôt à certains endroits, puis j'étais comme, ils ont déjà du monde qui sont en train de faire des vidéos, puis du monde ordinaire qui font des vidéos. Puis, ben, c'est vrai, c'est du monde. Tu sais, j'ai jamais entendu parler de leur YouTube channel. C'est comme s'ils nous avaient donné une copie. Ben, c'est ça, fait que t'es comme. On est juste pas assez avancé. Le monde nous connaît pas assez pour qu'ils pensent qu'on soit quelqu'un de super reconnu et d'immédiat. Fait qu'il y a quelque chose de. Peut-être, mais c'est pas le but. Mais si. S'ils font ce move-là, c'est ça, faut qu'ils réussissent à bien l'advertiser. Sinon, il y a du monde comme moi qui arrive. Puis, je vais aller l'acheter. Ben, moi, j'étais pas intéressé de l'acheter en plus, mais c'est autre chose. Je vais arriver pour l'acheter, puis je vais être déçu, je vais me fâcher, je vais l'acheter autre chose. Dis-nous pourquoi t'es pas intéressé. Bon, y a rien vraiment qui m'amène de vers ça, là. C'est. Comme j'ai dit, Mario, t'as fait le tour. C'est ça, c'est que Mario, c'est un gameplay qui est usé, je trouve. Il n'y a plus vraiment quelque chose de nouveau. Comme je disais, j'ai tout le temps besoin d'éléments où est-ce que je fais évoluer mon bonhomme, puis moi dans une map, où est-ce que à chaque fois que tu crèves, tu recommences complètement au début, surtout que t'as un timer, puis surtout que ben, même si c'est des tableaux intéressants qui ont été faits, je vais peut-être avoir du fun pendant comme. Là, ça, j'hésite même pas, là, je vais jouer sûrement à tes maps, tout ça. Mais pour le prix que je vais avoir payé, je vais pas avoir l'impression que j'ai une expérience de jeu que j'ai le goût de faire. J'ai beaucoup d'autres jeux qui m'offrent une expérience similaire à ça, une expérience que j'ai le goût d'avoir, que j'ai déjà dans ma collection, ou que je vais avoir bientôt, comme je disais, Fallout 4, Battlefront, des réitérations de jeux que je connais déjà, mais c'est des gameplays qui m'intéressent présentement beaucoup. Mario Maker, c'est pas quelque chose que je vais chercher. T'as pas d'autre génération que c'est ça dessus. Ben, le game designer, moi je m'en fous un peu. Je travaille dans du jeu vidéo de ma vie, puis je fais de l'intégration en général. Fait que d'arriver puis de faire ça dans un jeu pour que quelqu'un d'autre le joue, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Par exemple, si le jeu était. L'engin était beaucoup plus ouvert que ça, j'ai vu qu'il m'avait envoyé quelqu'un qui a fait un Metroid avec Mario. Mais c'était pas vraiment Metroid, c'est des éléments de Metroid. Si j'avais réussi à faire un Metroid dans Mario Maker, puis j'aurais pu diffuser ça comme un bundle de maps, puis avec les graphiques de Metroid que moi j'ai trouvé, tout ça, puis j'ai réussi à faire ça. Donner à tout le monde, puis que Nintendo fasse waouh, c'est cool, tu sais, ça devient un vrai produit, ça, je serais intéressé à faire ça. Mais d'être scopé dans l'univers de Mario, m'intéresse pas. Tu prends le Metroid Maker. Oui. D'accord. Oui, là, mais Metroid Maker, c'est encore limité. Ça m'empêche de réussir à faire des trucs. Honnêtement, je voudrais pas qu'il y ait le Metroid Maker ni Zelda Maker. En fait, je m'amuse plus à faire du Unity. Unity, j'ai du fun. Ah, mais ouais. Unity, c'est un Mario Maker encore plus ouvert. Gratuit ou ce que t'es en train de tester. Ouais, Solaris. T'es en train de tester Solaris, c'est bien évidemment. Ouais. Ça fait un outil open pour créer un jeu style Zelda, mais qui nous permet de remplacer toutes les graphiques si on veut, de vraiment faire ce qu'on veut. Puis de jouer dans la programmation aussi, c'est ça qui est fun. Mais comme, je commence. Mais tu sais, c'est bon de regarder qu'est-ce qu'il y a d'ouvert. Qu'est-ce qu'il y a. Ouais, ben c'est ça. Puis, mais en même temps, faut penser que ces affaires-là, c'est pas grand public.
Mario Maker a la capacité d'avoir simplifié des outils pour un grand public. Ben, c'est ça. Moi, je suis rendu plus loin des outils. C'est ça. Tu sais, je fais du Premiere, je fais du Photoshop, je fais du Flash, je fais du Unity, je fais du 3D, je fais de la texture. Mais c'est capable que ça de mettre tout ensemble. Oui, il y a sa place. Puis ça, je suis vraiment content qu'il ait fait le produit. Je dis pas, genre, ça vient pas hésiter, c'est de la merde. Ça vient pas me chercher moi parce que moi, je suis déjà, tu sais, j'ai déjà cet outil-là, mais encore plus tout hot. Fait que, tu sais, pour moi, c'est un background. Mais je suis content que c'était pas tout d'existence. Ça donne une ouverture qu'on s'attendait pas tout récemment à Nintendo de donner les clés de son royaume. Mais voilà, faites-le pour Mario. Ça puis dans 4 designs en plus. Puis ils ont été très 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 créatifs sur qu'est-ce que tu peux faire avec. Bonjour avec des ailes, le voyage, j'étais comme, ah ouais, ils ont permis ça. Ça ou grossir quelque chose comme tu veux. Ou c'était quoi, des canons qui tirent des chocs, comme tu veux. Ou n'importe quoi, avec des canons qui tirent des pieuvres. T'es comme, oh what the. C'est le fun. Ils ont quand même rendu ça très 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 flexible. Puis ça peut donner des situations assez cocasses. Fait que ça pourrait être les maps qui m'intéressent. Comment ils ont réussi à reprendre une mécanique qui existait déjà puis transformer complètement dans Mario, ça pourrait venir me chercher, mais je n'achèterais pas le jeu juste pour ça. Ça serait plus genre, j'aurais le goût de jouer comme mode un peu observateur. Ce que j'ai aimé aussi, ce qui permet, ils n'ont pas uniformisé le gameplay non plus. T'sais, dans Mario, dans New Mario Bros, tu peux remonter ses murs, dans celle-là, tu peux. Mais si tu transformes la même map, tu passes sur le bouton, tu la transformes en Mario Bros 1, là, tu peux plus faire ça. Puis théoriquement, tu peux même faire un tableau très simple, petit. Puis le copier, le même design le copier dans les 4, mais à cause que ton Mario va jouer différemment dans les 4, tu vas pouvoir accéder à des zones différentes. Puis tu peux passer d'une porte à l'autre, d'un design à l'autre dans le même tableau. Ça lui permet aussi de faire ça, c'est le fun. On va voir. Moi, je vais m'amuser, c'est sûr. Non, toi, c'est sûr. C'est sûr, je veux juste avec Pinkstar. Mais ça, c'était limité, là. C'était tellement limité. J'ai fait un tableau, deux tableaux, trois tableaux. Là, j'avais tout utilisé les assets, j'avais tout fait ce que je pouvais faire. Le jeu était tellement limité, je fais bon, ben. Fini. Puis, le sharing était mauvais, puis mes tableaux. C'est trouver tes tableaux, c'était pas évident. Non, c'est ça, puis ils restent pas tout le temps. Mais même Mario Maker, tes tableaux vont pas tout rester. Ouais, ça, c'est genre, ça devrait être ton profil, t'as ta liste de tableaux qui est dedans. Fait que si tu vas dans le profil, tous tes tableaux sont dedans. C'est un genre de tableau qui est pas joué, il va être délité au bout d'un certain temps, mais c'est parce que. Je l'ai fait, là. Les chances que les gens jouent, c'est que quand tu le postes, il faut qu'il y ait des gens qui le voient à ce moment-là. Sinon, arrêtez Nintendo, c'est pas vrai que c'est du data à pu finir. Là. Non, c'est ça. Ça n'a pas de sens. Oui, si ton compte est inactif pendant genre 4 ans, ou qu'il délite le data, mais c'est comme un MMO, là, t'as mis de l'énergie là-dedans. T'as pas le droit de déliter du contenu sans ma permission. Là. C'est simple de même. Ou envoie-moi un email, hey, ton contenu est encore valide, puis tu dis oui. Quelque chose de même, mais permets-toi pas de me déliter du contenu que j'ai fait. Ça sérieusement, si j'achetais le Mario Maker puis je voyais que personne jouait à mon niveau, mais c'est pas grave, c'est mon niveau que j'ai fait, laisse-moi une façon de le sauvegarder quelque part. Ben, il va te sauvegarder dans ta console. Dans ta console, après ça, comment je fais pour la renvoyer à tout le monde? Je peux te refaire republish, là? Je pense pas. Bon, ben, c'est ça. Puis si, mettons, il y a eu, je sais pas, 100 personnes qui ont joué à mon truc, c'est pas énorme, mais quand même, c'est assez vénérable. Puis là, tu veux revoir, tu sais, il y a du monde, tu vas repartir une vague ou je sais pas quoi. T'sais, c'est comme si ton vidéo YouTube, il se faisait effacer parce que, il n'y a pas plus que 100 personnes qui ont écouté. Voyons donc, c'est que tu fais ça. C'était quelque chose que j'aimais pas vraiment dans tes petites stars, c'est qu'ils montraient juste vraiment les tops. Les tops, ouais, il n'y avait pas moyen de monter. Ils montaient un top, genre, c'était combien? C'était 50, top 50. Puis oui, ça, les autres tableaux. Non, c'est ça, il y en a peut-être top, les trois quarts du temps. Là. Mais les critiques qui sont sorties, ben Mario Maker a été. Les reviews sont sorties, il y a une note à peu près métacritique de 89, mais il y a beaucoup de 9. Mais jamais de 10 sur 10. Justement, ben, il manque. 10 sur 10, c'est dur. Mais il manque des choses. Il manque. Ce que les critiques ont beaucoup dit, c'est qu'il manque de pouvoir mettre un drapeau au milieu ou tu sais, le middle tableau. Le save. Ah oui, oui. T'es obligé de tout à recommencer. Ça, c'est dans Mario Maker? Ouais, dans Mario Maker, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Bon, ils vont sûrement l'ajouter. Ils pourraient l'ajouter dans une autre page. Oh, oui. Parce que c'est quelque chose. Ils n'ont pas le choix. Je comprends pas qu'ils n'avaient pas pensé. Si l'on est dans leur jeu, devine pourquoi il existe. C'est ça. Il y avait... Ok, il n'y avait pas ça en Mario Bros. 1 puis 3. Non. Mais à partir de World, il y a toujours ça. En 3, il n'était pas là. Non. Okay. C'est juste dans Super Mario World. Ouais. Mais les tableaux n'étaient pas très longs dans Mario Bros. 3. Il y en avait beaucoup, mais pas très longs. Ouais, mais moi, je me faisais chier. Non, il y en avait des durs. Puis. Dans le 2, tu passais une porte, puis après ça, cette porte-là devenait le checkpoint, genre. Non. Il n'y a pas quelque chose de genre. Tu recommençais pas du début, là. Il me semble que oui. Mais on mourait moins dans Mario Bros. 2. Tu sais, t'avais des cœurs, t'avais de la vie sur le côté. Tu commençais pas du début. Tu commençais à certaines sections. Ouais. Mais c'était pas comme des. Tu pas identifié comme des checkpoints. Mais c'est arrivé à quelque part, là, c'était rendu ça. Puis de toute façon, t'avais plus d'énergie. Tu pouvais avoir jusqu'à 4 cœurs. Ouais, c'est pas genre un champion ou pas. Mais ça, d'ailleurs, il aurait peut-être l'intégrer. Ça aurait été le fun qu'il m'a.
pourquoi ça de Mario Bros 2? De l'énergie? Non, dans Mario Maker. Ouais, ouais. Il est tellement différent des autres. Hein. Ouais, mais c'est pas grave parce qu'il y a le gameplay différent des autres aussi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, mais tu changes vraiment, tu sais, la façon que ton bonhomme glisse, la c'est façon sûr. Que chacun de tes personnages réagissent avec l'environnement, l'univers black, white, transformé à cause de la potion, tu sais, il y avait beaucoup d'éléments. Je comprends que c'est un jeu assez différent. Tu sais, c'est pas juste un reskin de chaque élément. Puis l'autre chose qui la critique qui dit, c'est vraiment justement c'est ça, le sharing avec les amis. Je ne peux pas voir la liste des tableaux que mes amis ont fait, j'ai pas une liste d'amis. Mm-hmm. Fait que, le seul moyen, je crois, c'est que si moi je crée un tableau, il me donne un petit code, je le note, puis là je te donne ce code-là, tu peux le chercher. Bon, chez moi, les codes, là. C'est comme on est retour à Megaman 1 ou Nintendo, les codes, les passwords. C'est mauvais. Je sais pas. Même chose avec le store, tu es obligé de rentrer ce que tu as redeemé comme mot de passe. Là, tu pour l'avoir, c'est ta console. C'est compliqué. Il faut qu'ils simplifient les choses, leur infrastructure est dépassée, inadéquate. Mais ça, c'est de quoi qu'ils auraient pu faire. C'est même pas de quoi qui est bloqué par la console, voir ses amis. Les amis sont là, Steam fait ça depuis tout le temps. Tu regardes sur Xbox, c'est une super bonne exécution. Tu pèses sur ton putain gros, sur ton gros Python X, puis ouais, t'as un pop-up qui apparaît. Tu vois tout le monde qui est là, puis je pourrais jouer avec cette personne-là. Puis tout ça, c'est en real time, là, ça s'est juste mis en overlay par-dessus ton jeu. Ouais. Tu peux tout faire ces opérations-là, puis une fois que tu as fini, si tu cliques sur quelque chose qui te sort les directs, tu veux-tu vraiment sortir, ça va te sortir du jeu. Mais quand tu vois que ton ami qui joue dans une game, tu peux même aller le rejoindre. Ajouter un onglet tableau de tes amis, puis il sait tes amis que tu as dans ta Wii U. Puis il fait juste checker. Tu n'es même pas obligé de faire un tableau de tes amis, tu peux aller dans ton ami, puis voir ses tableaux, c'est tout. Mais in-game, il aurait pu le faire, là, un onglet. Oh oui! T'as d'autres tes amis, parce que t'as déjà des onglets, genre, mettons, top 10, top 10. C'est tout sur leur serveur à eux autres, puis c'est toutes des informations de Nintendo. Fait que, tu sais, c'est tout à eux autres. Ils ont le ownership. Ils sont pas censés être inaccessibles, ces informations-là. Mais j'ai l'impression qu'ils ont peut-être pas monté les architectures qu'il faut derrière ça. C'est parce que. Ils n'ont pas pensé à ça, aucun jeu, présentement, qui est capable de voir tes amis. Oui, Splatoon, si je vais dans Ami, je vais voir mes amis qui sont en ligne. Ils vont avoir une icône. Dans le jeu. Non, mais ça, c'est joindre mes amis. Joindre mes amis. C'est quand tu fais la fin, tu veux joindre mes amis, là, tu as les petits mi qui sont là, mais tu vois ceux qui sont connectés. Tu vois, du temps à laisser vide, mais tu sais, quand même, quand on essaie de synchroniser pour faire ça, c'est la seule façon de jouer ensemble. Là, maintenant, par exemple, tu peux faire party, mais jusqu'à moi, quand je jouais pas mal, c'était ça. Mm-hmm. C'est absurde. Mais ça marche pas. Mais ils pourraient voir ce que tes amis ont créé puis les ajouter dans une liste, les tableaux que tes amis ont créé. Oui, c'est sûr, mais tu peux faire n'importe quelle présentation, mais déjà juste de faire que les amis, tu es capable de voir puis que tu es capable de savoir s'ils sont connectés, ou juste qu'ils jouent, même si c'est pas l'affaire des de tableaux qu'ils ont fait, faut qu'ils commencent par ça. Mais s'ils n'ont pas ça. Mais je trouve ça drôle que c'est ça, Mario Maker devrait rien manquer parce que je vois pas faire Mario Maker 2 plus tard. Tu sais, je veux dire, il n'y aura pas tant de nouveautés, ça va être les mêmes assets. Est-ce que la prochaine console va avoir un touch screen et tout de même? Il va pas un 2, là, c'est ça. Non, mais c'est ça, mais tant qu'à faire Mario Maker, tu le fais bien. Parce que probablement que ça va être juste ça qui va être porté vers la prochaine console parce que ça va être rétro-compatible. T'es sûr que ça va être rétro-compatible, oui? Oui. Parce que ça, vu que c'est ARM, moi je suis pas mal certain. Tu changes l'architecture, ça risque d'être très difficile de faire ton Virtual Console pour que ça marche très bien. Parce que sinon, il va falloir que tu bouffes du CPU de plus ou que tu aies un CPU dédié à ça. Là. Moi je pense que ça va être rétro-compatible. Garde tes codes sources et recompile. Ouais, recompile, mais il n'a pas été fait initialement pour du ARM, à moins que leur plateforme le permette, là, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Il y a beaucoup de jeux qui sont faits en Unity, mais je pense pas que leur jeu natif de Nintendo soit fait en Unity. C'est très technique, qu'est-ce qu'on discute, là, mais c'est ça, c'est de réussir à ressortir le jeu pour qu'il soit compatible dans l'autre machine. Il faut que soit la machine soit 100% compatible avec le code, mais vu qu'il change complètement l'architecture, ben, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui interprète cette machine-là vers la machine du code. C'est quelque chose qui reconnecte les deux ensemble. Puis ça, ça coûte beaucoup en performance. Fait qu'à moins que la console soit très performante, ben ça faut voir. Marco, si on le code source, ils peuvent toujours le remanipuler pour un autre. C'est sûr. Pour le remanipuler, ça serait la même affaire qu'on a vu sur la 3DS. Que tu sais, ils prennent le jeu puis le refont complètement avec des nouveaux graphiques et tout ça. Puis ça prend du temps de développement par jeu. Fait que ça, c'est pas ça qu'ils vont utiliser. Ben non. Puis ça, tu vas en avoir les classiques vont sortir de même, ça j'ai aucun doute, mais les plus les autres jeux qui étaient sa Wii plus ou moins populaires. Le Zombie U, je vois vraiment pas quelqu'un faire une recompilation sur le Zenix. Ben oui, Zombie. Pas de. Zombie.
Fait que c'est ça. Puis... Mais j'ai quand même hâte de voir ça, Mario Maker. Ouais. Yoshi, toi tu l'attends quand même. Oh oui, j'ai le goût d'essayer. Je suis curieux, je trouve ça joli. Il me paraît que tu te tannes à jouer quand même. Pas grave. C'est un concept de jeu intéressant. Puis j'aime surtout les. Tu les Yoshi, t'as justement la mécanique de jeu de Mario qui commence à être essoufflée, mais t'as pas le timer. Ce qui permet d'explorer, ce qui permet de te promener, d'avoir du fun, à trouver les secrets et tout. Ben, c'est ça. Fait que ça, c'est une mécanique que je trouve beaucoup plaisante, personnellement. Ouais. Puis évidemment, ben, c'est ma copine, elle est toute en laine, fait que c'est sûr qu'elle va trouver. Il n'y avait pas un Mario qui n'avait pas de timer. Mario Bros 2, je pense. Il semble qu'il n'y avait pas de timer de Mario Bros 2. C'est pas de timer. Il semble que. Je peux pas confirmer. Non, non. C'est arrivé rarement, j'entends le trut 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 trut. Dans Mario 3D, il n'y en avait pas. Mario 3D? Ben, à part 3D World. Oui, 3D World. Les 3D plateformes Mario 64 compagnie. Non, non, ben, tu t'imagines, tu courir dans l'univers, puis vite, faut j'aille à l'autre. C'est pas plaisant. Non. Il n'y avait pas in. Dans un cadre? Non. Ben, il y a du timer tout le temps, il switch. Mais ça, t'as pas le choix. Ça, je peux comprendre, ces timers. C'est timer global. Finis le tableau en dedans de 300 secondes. Comme, ah, pourquoi? C'est quoi que ça jeux donne? Ça vient d'allonger la longévité du jeu avec ça. C'est la partie que je fais pas. Même Donkey Kong Tropical Freeze, je pense qu'il faut tout refaire les tableaux avec un timer. Mais tu sais, en partant ces tableaux-là, ils sont tellement... D'un, sont trop longs, fait que tu tannes, puis... Moi, j'aurais aimé vraiment qu'ils fassent la moitié de chaque. Puis deux fois plus de tableaux. Puis tu sais, avant, ils mettaient, mettons, tu faisais tout, puis là, t'avais une animation spéciale, une fin spéciale, n'importe quoi. Mais maintenant, on a YouTube. Fait que, tu sais, si t'es paresseux, t'as pas le goût de le faire, tu vas voir c'est quoi la fin sur YouTube. Puis tu l'as eu anyway sans avoir d'effort à faire. Fait que c'est pas un reward nécessaire, tu sais. T'as des achievements, ouais, c'est ça. Tu peux avoir des achievements pour te dire, ah, moi, je l'ai réussi. Ben, c'est qui va dire genre « Oh, tu as réussi ce défi! Je suis fier de toi! » C'est juste pour toi que tu le fais. C'est de quoi qui est encore marquant, ils n'ont pas de système d'achievement. Non, ça c'est sûr. C'est ceux qui aiment l'achievement, je peux comprendre, il y a du monde qui aime ça, mais c'est ça, c'est pas un but suffisant pour bien du monde de faire comme des timers, c'est ça juste pour les achievements. À moins que l'achievement te donne des points, des points si tu veux aller à quelque chose. Acheter des virtual games, quelque chose. Oui, tout le club Nintendo fonctionne avec tes achievements. Là, ça te pousse à. Non, okay, je vais me forcer le cul, j'ai le goût d'acheter lui, il me manque 1000 points, les 1000 points, c'est là-dedans, je peux le faire. Puis la Wii U était une belle opportunité ratée. Là. Au début, la plupart des jeux, tu ramassais des stamps pour Miiverse, qui aurait pu être carrément leur système de. J'ai toujours pas compris comment on stampait comme du monde. Tu sais, je j'étais comme soit dans le jeu. C'est ça. Il y a le monde qui sont super bons à dessiner. Puis là, j'étais comme, mais je suis nul, moi, à dessiner. Parce que je dessinais tout au crayon. Mais je me suis rendu compte, non, c'est le monde utilise des gros stamps. Ben oui, mais c'est une bonne idée. À part que je suis en noir et blanc, mais ça, il y a des jeux qu'ils ont fait en couleur. Mais le problème, c'est qu'il faut que tu sois dans le jeu pour utiliser les stamps de Miiverse, alors que tu aurais dû ramasser une collection dans ton système. Avoir genre de scrap en Miiverse, peut-être. Oui, c'est ça. Classé avec des onglets par jeu, ou tu sais. Oh, ouais. Une belle collection. Là, j'aurais eu vraiment de motivation. Parce moi, ça me fait dire, c'est pas vrai, je vais mettre un DVD dedans. Juste, ah, j'ai le goût de dire au monde, j'aime Yoshi, puis là, faut que tu ailles dans tel jeu pour mettre Yoshi, pour faire un message, que ça apparaît là-dedans, puis là, ça dit, il a écrit ça pendant qu'il était dans tel jeu, puis là, ça apparaît juste une bubble, si tu le vois, dans l'espèce de petite gang de personnes, c'est quand même. C'est pas assez proche, tu sais. Puis même les NES Remix, t'as des systèmes cool là-dedans, puis l'affaire, des systèmes rétro, puis tout. Faut que tu sois dans le jeu pour l'utiliser. Puis le monde, c'est faut que tu aies dans la communauté NES Remix pour voir ton stuff. Ouais. Il y a beaucoup de gâchis là-dessus. Ouais. Là. J'espère qu'ils vont utiliser ça. Parce que moi, je trouve que c'est des bonnes médailles, tant que ça. Au lieu d'être une médaille comme sur tous les autres systèmes, c'est un stem, puis il y a une double utilité. Puis je pense que la communauté a le goût d'avoir ces affaires-là parce que tu vois, quand tu poses une niaiserie, rien. J'écris à manier un Hello Dave tout crush pour parler à David. Puis, je sais pas, j'ai eu 25 likes. J'étais comme, quoi? qui c'est qui s'est identifié à ce message-là? Puis moi, j'essaie tout le temps d'être edgy, voir si ça va être délité. D'ailleurs, sur les. Edgy. Ouais, tu sais, non, mais sur les Decepticons contre les. Ouais, j'ai marqué celle-là. Moi, j'ai écrit. Moi, j'étais pour les autobots, puis j'ai écrit Decepticons. Et ça l'a passé, j'ai eu je sais pas combien de ouais. En tout cas. Des ouais, ouais, mais en français, c'est des ouais. J'avais fait un robot, mais à la base, c'était. Bref. Oui! Il n'y a pas été des idées. Oh, tu vois le feu. Puis pour les guimauves, tout ça, j'avais fait rien de vulgaire, mais j'avais fait
une guimauve qui tient dans les mains une broche avec une saucisse toute cramée en feu qui agonise dessus. Ça a été, ça, j'ai eu plein de likes pour ça. Ouais, c'est ça, tu fais une niaiserie puis t'as des likes. La communauté répond bien, puis il y a une bonne communauté sur Miiverse. Abusivement. Ouais, mais je veux dire, ils ont. J'ai jamais eu aucune communauté qui m'a autant apprécié des conneries que je faisais. Mais c'est ça, mais je veux dire, ils ont un install base intéressant avec Miiverse. Je sais qu'ils vont continuer avec Miiverse, mais il faut qu'ils l'arrangent. Qui soigne ce Miiverse. Qu'est-ce qu'on disait tantôt, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont acheté. Mais quand je regarde la quantité de monde qui parle, là, en tout cas pour moi, moi je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui parle en général. Oh, ouais, ben c'est des gens plus fidèles. Sont, Oh, ouais, c'est pas nous quand tu vas, c'est t'attends quoi que ce soit, mais c'est ça, t'as comme plein de monde. Puis tu sais, même si, mettons, c'est, moi j'envoie 10 000, des 2 millions, 6 millions qui sont vendus. 7 millions. De quoi, des Wii U? Ouais. C'est ça, on a passé 10 millions. 10 millions, bon, ben, 10 millions de personnes, puis ça c'est considéré pas beaucoup de consoles. Fait que je suis comme, mon dieu, 10 millions de personnes. Le GameCube est... J'en vois 100 pis je suis comme, oh, c'est plein! T'sais, le GameCube a vendu 14 millions. Moi, je pense qu'ils peuvent approcher avec Zelda Wii U, on peut s'en sortir pis tout. On va voir comment Sinalessi va fitter, mais tu sais. Je pense qu'ils peuvent se rapprocher de la GameCube. Pis tu sais, Nintendo aussi, comparé aux autres compagnies, ne vendent pas à perte leur console. Fait que c'est juste du profit, même si elles vendent pas 40 millions comme. Sony, ils perdent probablement un peu d'argent sur chaque PS4. C'est pas pareil. 10 millions, Super Nintendo est vendu combien dans le temps? 20. 20 millions? Ouais. Non, mais rendu jusqu'à maintenant, mais avant, au début, quand c'était sorti. Je sais pas. C'était pas 20 millions. Là. Ouais, ouais. C'était peut-être 2-3 millions. Non, c'est 20 millions, mais c'est que ça a toujours descendu après. Je pense que même c'est. Ouais, c'est ça. Non, mais tu regarderas, je suis sûr que les chiffres étaient vraiment étranges. Genre. Mais ça paraît pas gros, 20 millions comparé aux 100 quelques millions de la Wii. 100 quelques millions. Ouais. La Wii a vendu 100 millions. Ah, la Wii. Okay. Ouais. Non, mais c'est pas ça que je dis. C'est parce que la Nintendo, la NES, ça a été une des consoles qui a le plus vendu. La Super Nintendo était quand même très très populaire aussi. Mm-hmm. Mais la Nintendo Entertainment a vraiment vendu beaucoup de consoles jusqu'à maintenant. Parce que dans certains pays, même la Super Nintendo était sortie, même la GameCube était sortie. Puis il achetait encore la NES parce que c'était du matériel encore accessible. Mais initialement, dans les années 80, quand on achetait ça, c'était la folie furieuse, puis c'était des centaines de milliers qui se vendaient, là, puis si ça s'est rendu à genre 3 millions, 4 millions, c'était comme « Oh my God, les Atari n'ont jamais accoté ça! » Puis maintenant, on fait le double, le triple de ça, puis c'est comme « Ah, il n'y en a pas assez! » C'est quand que maintenant, il y a eu un problème là-dessus, genre? C'est le PS2 et Wii qui ont vendu absurdement. Oui, quand tu regardes, si tu regardes purement hors l'histoire, tu vends juste quand c'est là 10 millions de consoles. Moi, si j'étais un fabricant de consoles, que j'étais parti de nowhere, puis j'aurais vendu 1 million, je serais super content, ça n'aurait juste pas de sens. Puis j'espérais qu'il y a des développeurs indépendants qui feraient des jeux dessus, puis ça vend bien. C'est pour ça que c'est weird de dire que c'est un flop. 10 millions, c'est la même affaire qu'on disait des fois quand le monde essaie de vendre autant que Call of Duty, en disant « Ah oui, mais c'est rendu ça à la norme. » Non, c'est pas la norme, ça c'est l'aberration, c'est pas le truc que tu devrais viser, ça c'est le monstre. Oui, ça, t'espères que ça se rende jusque-là, mais c'est presque impensable de passer. Mais en même temps, Nintendo, tu sais, ils vendent. Ils ont peut-être juste 10 millions, comme on dit, juste 10 millions de vendus, mais ils réussissent à vendre des jeux certaines fois à 2 ou 3 millions d'exemplaires. Ce que les autres consoles ne font pas, là. Ouais. Mais tu sais. Ils sont sur toutes les consoles, les jeux. Ah ouais. Ils sortent noyés parce qu'ils n'ont pas de produit. C'est celui qui a le plus d'attach rate pour les vendre par rapport à la console. C'est juste un point de vue marketing et un point de vue actionnaire. Là. Ouais, les actionnaires. Fait que tu veux toujours vendre plus, donc ben, c'est sûr. C'est un mining. Mais c'est quand même un succès. Même si tu en as moins vendu que l'année d'avant, oui, tu peux pas te baser sur des profits qui sont tout le temps en croissance, mais quand même, tu as fait un succès. Tu sais, voir des compagnies qui s'effondrent avec des titres aussi forts. Tu regardes Konami avec leur Castlevania, ils devraient pas crever, genre, ça n'a pas de sens, mais ils n'arrêtent pas d'affaire échec après échec après échec. Tu te demandes comment vous faites. T'sais, ils ont des Metal Gear Solid, ils s'est vendu comme un débile Metal Gear Solid présentement, puis il y a plein de monde qui trippe dessus. Ah, c'est vrai, c'est ça qui est sorti. Ouais. Puis tu te dis, comment, ça devrait être suffisant, ça devrait être, oh non, ils m'ont pas assez vendu. Je vois souvent l'exemple des Eidos qui bâchent complètement toute leur licence, que les Deus Ex, Hitman, Lara Croft, ils ont fait des succès critiques et commerciaux. Ah, mais ça vendait pas assez Call of Duty. Fait que c'est considéré des échecs, puis les studios n'ont pas eu leur bonus. C'était quand même sérieux. Mais c'est aussi que le coût de développement est rendu épouvantable. C'est comme Metal Gear Solid 5. C'est sûr. Justement, c'est la raison pour laquelle il a dépensé sans compter là-dessus pendant 5-6 ans. Ça a été
ça a pris une fortune à développer, puis je suis pas sûr qu'ils vont rentrer dans la Metal Gear Solid, peut-être pas. Parce que là, on est rendu à un point d'exception. Mais quand je te parle de mettons, des Eidos, ben Eidos, eux autres, ils ont rentré dans l'argent, ils ont vendu des quantités phénoménales, ils ont eu des scores de fou sur Metacritic, tout en même temps, ils ont tous sorti ça. Ça aurait dû être, enfin, Eidos, c'est sorti de la merde. Ben non, c'est des succès, c'est des failures, des faillites commerciales. Fait qu'ils ont coupé des équipes, ils ont slacké des jobs, ils ont détruit le studio, la gang de Enix, Square Enix, sont rentrés dans les studios d'Eidos, puis ont saccagé le tout, et comme, qu'est-ce que vous faites? Des bâtons de baseball. Oui, complètement. Je travaillais plus. Mais il y a quelque chose de malsain dans ça. Si on parle de crash de l'industrie, genre un nouveau crash, quoi que ce soit, là, moi, ça serait ça que je dirais que ça serait la faute. Ça serait les équipes de marketing qui poussent trop ces équipes abusivement. Ça serait de ne pas valoriser les équipes de développement à juste milieu. C'est ça qui est la grosse plaie. Ouais. Moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Apple Music. Parce que présentement, Apple Music, ils ont donné des free trials à tout le monde. Tout le monde l'utilise juste parce que c'est un free trial. Mais le jour où ça va arrêter, il n'y a pas grand monde qui sorte leur épingle du jeu et qui dit « Ah, ben c'est vraiment bon. Mm-hmm. » Ça risque de tomber comme un flop comme ça. Fait que j'ai hâte de voir comment la société va voir ce flop-là et comment ils vont l'interpréter. Parce que c'est pas nécessairement un flop. C'est tu viens de sortir un nouveau produit qui compétitionne contre plein d'autres systèmes qui existent déjà. Fait que le monde ne va pas nécessairement changer de système. Fait que ça fait pas trop de sens de les comparer contre les autres. Ils sont à leur premier mois, puis ils sont déjà comparés. Ah ben, ils vous vendez pas autant que mais les petits dolls. Je sais pas c'est quoi leur coût non plus, mais ils n'ont sûrement pas autant de coût de développement que le ça, c'est plus d'acheter des licences, j'imagine. Mais ce qui arrive, c'est ça, les jeux maintenant HD et tout, prennent du temps, de l'argent à développer, juste comme Zelda que je suis même pas sûr qu'ils vont rentrer dans l'argent. 6 ans de développement, c'est la plus grosse dépense de Nintendo, ils n'ont jamais eu autant d'employés là-dessus. Est-ce qu'ils vont rentrer dans l'argent? Je ne sais pas. J'ai l'impression que ceux qui font le plus d'argent au prorata, c'est des jeux comme Shovel Knight. C'était sûrement pour une petite équipe. Ils ont vendu au-dessus d'un million de copies, qui est énorme pour un indie game. Minecraft, c'est... Le gars est millionnaire, puis même il a sorti des tweets il n'y a pas super longtemps qu'il déprimait parce qu'il ne savait pas quoi faire avec son argent. Tous ses amis, ils travaillent pendant la journée, puis il ne sait pas quoi faire, mais il est comme « la vie, c'est poche ». C'est pas vrai, il a remis des tweets, il a dit que la vie c'était correct, mais c'est vrai qu'il paraît que quand tu deviens millionnaire très rapidement, t'as une crise existentielle à manger. C'est ça, faut que tu te crées une espèce de sentiment que tu contribues à la société, parce que sinon, maintenant, tu fais juste, j'ai plus de défis, j'ai plus rien à faire, j'ai trop d'argent. Faut que tu investisses dans des projets, mais c'est ça. Actif. Minecraft, ça a été un des bons exemples, il est parti de rien. Combien il a vendu à Microsoft? C'était un milliard, je pense. Ouais, c'était 3 milliards, quelque chose de genre. C'était absurde, genre. Puis il a redistribué à tous les développeurs qui ont contribué, puis même là, tout le monde a fait un shit d'argent. Ouais. Hey. C'était beaucoup millionnaire. C'était montant absurde. Mais comment ça font des décisions étranges, des fois? Ben peut-être, mais tu sais, ça, ça va se continuer à marcher incroyable. Ben ils vont faire une itération 2, 3, 4, ça, c'est certain, là. C'est trop le fun. T'as joué à Terraria, puis t'as vu, là, la quantité de temps qu'on a passé. Imagine ça en 3D. Mais. En 3D, tu peux tout faire. Il est pas assez lourd. Mais de vu le potentiel que ça avait, puis là, ils ont rajouté les lunettes, ils rajoutent en 3D que tu joues avec les blocs. Quand ça va être prêt, mais tu dis, ils l'ont acheté à un gros prix, mais c'est parce qu'il y avait une idée derrière ça. Ouais. Mais ils ont utilisé le Minecraft pour que ça dise, regardez cette technologie quand même cool pour aller chercher tous les jeunes qui font, oh, c'est trop cool! Mais. La technologie elle-même n'est pas encore complètement prête. Ça, j'en ai déjà parlé. Tu vas faire, ça va. C'est ça, tu vas tout le temps être en train de bouger. Genre, faut pas que je bouge trop. Je veux bouger demain. Tu sais, quand tu refais ça avec tes mains, est-ce qu'il va détecter, genre, faut que tu te fasses comme. Tu peux plus bouger à part de ce qu'il faut. En tout cas, c'est quelque chose d'un peu bizarre. Mais bref, pour Minecraft, ça a été un bon succès. Pas beaucoup de coûts de développement. Puis c'est un peu un truc dommage dans grosse compagnie, ils pensent tout le temps que plus le visuel est incroyable, plus le monde va aimer ça. Mais non, c'est de trouver le bon gameplay, puis c'est ça qu'il faut qu'ils fassent. Mettez vos équipes, plein de petites équipes, à faire plein de petits prototypes pour essayer de trouver un gameplay super intéressant. Mm-hmm. Faites de la recherche et développement, puis quand vous trouvez quelque chose de cool, vous faites « Ah! » Puis c'est ça que vous développez. Mettez pas les graphiques dans le tapis, on n'a pas besoin que ça soit aussi coûteux que ça pour ces graphiques-là. Et... Vendez-moi le jeu 30$, 40$, je vais être bien plus enclin de l'acheter, même si c'est une merde au final. C'est un jeu correct, mais tu joues moins. 30$, ça va moins faire mal au cul de l'avoir acheté que 65. 65, il faut vraiment que je sois sûr qu'il soit bon. Puis c'est pas vrai que la plupart des jeux Ubisoft, Electronic Arts, Activision et toute la gang,
Et ils sortent les jeux à chaque fois excellents. Même Blizzard, en général, qui sont considérés comme ceux de se baser sa qualité, moi, les jeux qu'ils font de plus en plus, je les aime plus. Fait que, mais, il y a quelque chose de bizarre. Il y a aussi une déconnexion entre ça et les ventes. Parce que souvent, il y a des jeux qui ont un gameplay incohérent, mais qui sont laids, mais qui ne vont pas nécessairement vendre parce que ça crée une barrière. Un bon exemple cette année, c'est Box Boy. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Une 3DS. Voilà. C'est All Laboratory. C'est Nintendo qui l'ont développé, l'équipe de Kirby. C'est juste un carré blanc. Tout l'univers est simple. Il paraît que c'est probablement le meilleur jeu de l'année. C'est juste un platformer un peu à Metroid. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Genre 9$. Sur 3DS, j'ai jamais vu penser. Sur Wii U, j'ai jamais vu penser. J'ai jamais vu de pub nulle part dans rien. Tous les podcasts, tout le monde en parle. C'est, comme, c'est vraiment le fun, c'est simple. C'est, le gameplay est le fun. Puis toutes les itérations que tu peux faire avec ta boîte en la déboîtant, faire des passages, des affaires. Puis sur 3DS, il vend bien ou? Ben, il se vend pas tant que ça parce qu'il est pas connu. Parce que les gens, il n'y a pas de pub. Parce que si on parle sur tous les podcasts, ouais, mais c'est vrai, faut que le monde regarde les podcasts, puis c'est pas la fin de ça. Non, c'est pas clair. Mais c'est ça, pousser vos produits, ça c'est certain. T'sais, c'est pas de mettre des grosses annonces, publicité, tout, mais juste que tu sais, il y a du monde qui fasse des articles là-dessus, qu'IGN fasse un bon gros article, que ça devienne front page. Faut que tu le vendes bien. Tu sais, des jeux comme Gunpoint qui ont fait beaucoup de succès, qui ont eu bien de l'argent. Tu sais, c'est pour ça que c'est pas des gros succès comme Minecraft, mais ils sont bien satisfaits du succès qu'ils ont eu. Shovel Knight, c'était juste ça se présentait quelque part. Tu Shovel voyais dans Knight, une bande d'ailleurs, qui s'en vient avec un DLC gratuit, qui va tout ajouter. Dans Smash. C'est du gameplay différent. Smash, je sais pas, ils en ont pas parlé. Ils n'ont pas confirmé. Il y a juste un amiibo, mais c'est un amiibo. Un amiibo qui est. J'assumais que c'était lui qui avait gagné. C'est pour ça qu'il avait fait amiibo. Non, c'est vraiment eux autres qui ont fait leur amiibo. Le Shovel Knight, c'est quoi qu'ils ont fait qui a marché? T'allais sur le store, t'avais une bannière Shovel Knight, tu faisais ah ouais, c'est quoi ça? Tu cliquais dessus, ouh, tu voyais toutes les. Nintendo les a mis. Toutes les channels que moi je suivais, ben, ils parlaient tout, ah Shovel Knight, c'est vraiment cool. Puis en entendant parler comme ça, des channels que je suis habitué, ben, je fais ah Shovel Knight. Mais c'est ça. Puis le jeu s'est vendu 1 million. Non, c'est ça, puis c'est vendu 1 million juste sur les consoles Nintendo. Là, il est sorti partout en plus. Puis c'est quand même cher, je pense qu'il vendait quoi, 15, 20$? 29. Ouais. C'est quand même solide. Moi, celui-là, ça me dérangeait pas tant que ça. Les coûts de développement pour un jeu de même, ça va pas te coûter genre 30 millions de profit. Là, ça, c'est sûr. Ouais. C'est sûr que t'as le marketing qui peut en prendre un bon chunk là-dedans. Mais t'as le coût de développement, c'est quoi? C'est peut-être c'est des gens 5 passionnés, millions max. Des gens passionnés, puis qui, justement, nous faire un méga DLC gratuit dans le même avec. C'est un gameplay complètement différent. J'ai eu l'argent. C'est probablement 1 million. Mécanique de main, tu peux faire ça pour 200 000 max, là, si t'as genre 4-5 développeurs qui travaillent en temps plein pendant un an. En tout cas, je trouve ça absurde. Ouais, bien fait leur affaire. Ouais. C'est un Kickstarter, ça a l'air, je pense. Oui, qui ont eu quand même pas mal de frais. Je me souviens plus c'est quoi le chiffre, mais je me souviens qu'il avait fait du vent. Fait que oui, moi je suis premier à dire, réduisez les graphiques, faites le jeu intéressant. Far Cry, ils ont fait Blood Dragon, ils revenaient après. C'est sûr, ça n'a pas été du succès commercial incroyable, mais ça a fait un PR incroyable pour Ubisoft. Ça a été super bon coup. Puis c'était au bon moment, c'était pendant un moment où on voulait des affaires un peu plus années 80, années 90. Puis ça a super bien marché, ça a super bien vendu. J'ai pas joué de A à Z d'un bout à l'autre, mais c'était le fun. Ce qui est mauvais aussi, c'est parce qu'ils poussent. Ils poussent les graphiques, puis. Pousser les graphiques, c'est l'explication pourquoi le coût coûte plus cher. Ouais. Fait qu'ils vendent 69, 70, 75, 75, juste parce que les graphiques sont dans le tapis. Mais c'est vrai que ça coûte vraiment plus cher de développer les graphiques plus cher. Sauf que. La quantité d'équipe, tu regardes pas un meilleur jeu. L'équipe de développement de Mario, c'est 20-30 personnes. Tu regardes une équipe pour développer Assassin's Creed, c'est des 200-300. Ouais. C'est absurde. T'as pas besoin de tant de monde que ça pour faire un bon jeu. Pas mal certain que les Assassin's Creed rentrent plus. Non, mais non, ça rentre très bien parce que le moteur, c'est le truc qui coûte le plus cher initialement à faire. J'entends plus personne qui déjà fait. Non, mais maintenant, on voit qu'il y a un essoufflement. Là. Ça, c'est clair. Là. Tu regardes n'importe quel gamer, c'est comme, je demande à n'importe qui, toi, Alex, n'importe qui autour de moi, on est comme, t'as-tu joué au dernier Assassin's Creed? C'est rendu auquel, là, je suis plus sûr. Ils vont trop vite, trop vite. Puis ils font des sous-séries, tu sais. Ben ça, j'aurais aimé ça, je veux jouer. Non, mais quand c'est comme le titre avec un sous-titre, mais qu'il n'y a pas de numéro, je sais plus quand ça se passe. Parce que j'ai pas ça me dérange pas de la chronologie, mais moi, je veux juste, tu sais, comme mettons Arkham City, Blackgate, machin, je sais. Ça me dérange pas, c'est une expérience que je sais qui va être différente. Puis ça, j'aime ça, je veux jouer du side-scroller de Assassin's Creed, ça, je trouve ça le fun. Unity, par exemple, j'ai même pas fini le 3, mais le 4 était sorti, je fais bon, ben le 4, ça va être un peu plus tard. Ils ont sorti Unity, j'étais comme. Unity, c'est quoi? C'est pas le 5? Ça aurait pu être le 5. Oui, c'est le 5. Il n'y a pas de titre. Il
n'y a pas de chiffre, mais c'est Unity. Si tu veux voir la chronologie maintenant, là, passe-toi plus sur rien. Avec la cancel reboot qu'on a et tout ça, va sur Wikipédia et regarde c'est quoi les suites. C'est faut que tu le saches. Mais je comprends juste pas pourquoi ils ont pas appelé ça Assassin's Creed 5. Oui, mais quand t'es rendu genre Assassin's Creed 5, 6, 7, le chiffre à mener, je pense que c'est après 3, 4 qu'il faut que tu commences à arrêter de mettre des chiffres. Le 5, c'est probablement celui qui a vendu le plus de l'histoire. Oui, mais à mener, il faut que t'arrêtes de faire les chiffres parce que c'est super, genre l'espèce de lien de ah, il est unique, ça fait comme ça. Nintendo font l'inverse. À partir de 7, ils commencent à mettre des chiffres. Mario Kart, à partir de 7, ils ont mis un chiffre. Ouais. Alors ça, c'était Mario Kart DS, Mario Kart. Oui. Ouais. Mais ça, c'est une règle de marketing depuis longtemps. Là. Puis quand t'as photo, tu remarqueras que c'est pas 5. Ils mettent un 5 avec un symbole puis tout pour réussir à tricker un peu ce système-là. Mais c'est ça, c'est que Assassin's Creed est rendu à Unity, puis après ça, tu vas aller à. C'est quoi l'autre après? Il y en a un genre Steampunk là, qui est censé s'en aller non. Après, je pense. Je pensais que Unity venait juste de sortir. Puis c'était avec. Il me semble qu'il y avait un autre en là-dessus où il y avait des bugs ou je sais pas quoi. Bref, il y avait. Mais Unity, c'est celui qui a skippé la Wii U. Oui, ben c'est parce que faut pas oublier, Ubisoft, ils snobent beaucoup la Wii U. Ouais, on commence. Ben, ça vend pas, mais en même temps, ils sortent le jeu, le même jeu un an plus tard, parce que le jeu est complètement. Watch Dogs est sorti un an après, tu sais. Puis il y a eu zéro promo, ils n'ont même pas parlé, donc comme. Le jeu. C'est le problème. Bref. Mais je pense que c'est ça, Assassin's Creed, quand il est sorti, Unity. Il était optimisé pour les chips AMD, puis là ça a causé plein de problèmes, là, mais rétrocompatibilité, puis il y avait des bugs à plus finir au PC. Puis ils l'ont jamais sorti à Wii parce que justement il avait été optimisé pour la Wii. Non, c'est parce qu'il n'est pas optimisé, ils n'ont pas de chipset. Donc, Bref. Ah oui, voilà. Oui. C'est Assassin's Creed Syndicate qui est rendu à Steampunk, c'est la suite après Unity. Fait que pardon pour le petit délai, là, j'étais plus trop sûr de mes informations, mais oui c'est ça, on avait on a un autre qui s'en vient. Fait que, bref, moi je suis rendu au 3, puis il y en a déjà 3 qui sont sortis, plus les spin-offs. Là, les... J'ai même pas commencé, mais je sais je vais toutes les faire sur mon back-à-back si ça m'accroche assez, évidemment. Puis tu sais, moi je chialerais pas, parce qu'après ça, quand j'arrive au prochain titre, il me revient 15$, 20$, parce que ça fait déjà 2 ans qu'il est sorti. Puis ma machine, j'ai pas besoin d'une meilleure machine, les graphiques sont encore très beaux, tu sais. C'est le fun d'être en retard un peu dans ces technologies-là, mais c'est un peu dommage que les autres investissent des millions dans des titres que je suis pas intéressé de les acheter au prix coûtant parce que ils vont trop vite. Là. Ils essaient de faire comme Call of Duty, mais c'est pas un titre comme Call of Duty. Le but, c'est pas genre de. Tu sais, t'as pas toute ta base qui suit la prochaine itération, puis la prochaine itération, puis ce qu'ils ont besoin s'ils veulent jouer avec le reste du monde. Puis ça, c'est plate, là, mais c'est un phénomène junkie pour les gars de Call of Duty. Unity, tu joues tout seul. Fait. Puis même s'ils mettaient un multiplayer, tu voudrais pas nécessairement avoir chaque itération. Tu veux pas que Assassin's Creed devienne un NHL 2012, 2013. Mais ça, d'ailleurs, aussi, c'est un phénomène qu'on a moins avec les jeux Nintendo. Bon, t'as pas un titre par année. Puis pas juste ça, c'est que les prix descendent pas, tu sais. Ah, ça, c'est poche. Tu fais pas comme je vais attendre dans 6 mois ben là, moi, je pour l'acheter fais. Parce qu'il va être moins cher, mais c'est rare. Là, je le fais, mais c'est ça arrive très peu. Des fois, t'as un 10$ de moins, puis ou t'as une promotion, t'achètes un autre truc, puis ça te revient moins cher. Mais honnêtement, moi, ça fait que j'achèterais beaucoup plus de titres de Nintendo. C'est la première console de Nintendo qui a pas les greatest hits, les million sellers, peu importe le nom qu'il a, les player choice, peu importe le nom qu'il donne. Réduire le prix à 29 un jeu qui a vendu plus d'un million, c'était quelque chose qui a toujours eu sur les consoles Nintendo et qui était vraiment bien. C'est un bon modèle parce que ils ont fait ça assez tôt en fait. Puis ça marchait très bien. C'est ça. Puis nous autres, sur Steam, c'est ce qui fait que Steam est très populaire, c'est qu'ils baissent le prix très rapidement pour aller combler toutes les niches. Puis c'est normal, t'as les personnes les plus fans qui vont l'acheter au début, après ça, un couple de mois plus tard, tu vas avoir une vente à 10-15% de rabais, des fois 20%. Ouais. Tu vas avoir quelques mois plus tard, tu vas avoir le même jeu, tu vas avoir un rabais une fin de semaine, tu sais, c'est pas longtemps à l'avance. Mais pour ceux qui sont avides de rabais puis que tu sais, le prix était juste un peu trop au début, ils vont chercher ce monde-là. 6 mois plus tard, ils baissent le prix quand même radicalement, là, ça devient 30$ de 30% de coupe. Puis après ça, un an plus tard, des fois ça descend à genre 75% du prix initial. Puis ça, c'est des coupes finales, des coupes progressives vers ces prix-là. Puis tu vas réussir à chercher toutes les tranches de vente. Des marchés, le monde qui n'avait pas l'argent pour l'acheter à 70$, à 15$, souvent, même si tu ne joues pas, tu vas te dire, hey, il n'est pas cher, tu vas l'acheter. Je serais déjà à l'aise avec tous les jeux qui ont vendu 1 million. On a fait notre million, là, on a vendu 1 million de copies, là on les met à 29.
Puis tant mieux, ça fait juste après ça que dans les chiffres, t'as vendu plus de ce jeu-là, puis ouais, c'est plus impressionnant. Puis ça fait des revenus constants. T'as deux variations. T'sais, t'as des variations plus populaires, ouais, qui en a plus, qui valent moins cher. T'as les versions originales, donc la personne qui est collectionneur va vouloir acheter la version originale. En ça, c'est à condition qu'il reste avec des copies physiques. Oui, copies physiques. Mm-hmm. Pas le choix. Parce que. Ouais, puis pas des affaires de genre, t'as un code, un numéro de série, tu rentres quelque part, puis là, alors ça c'est pas une collection, ça. Non, non, c'est comme un bout de papier. Comme tantôt, j'ai voulu acheter Type Zero, Final Fantasy Type Zero PS4, en me disant, je vais avoir le démo pour Final Fantasy 15, mais yep, non, j'ai acheté usagé, fait que probablement quelqu'un qui a utilisé le jeu. Utilisé, c'est ça. Je me disais, ah, c'est comme avant, là, donc il y avait un démo, c'était un autre disque à part. Puis ouais, non, puis maintenant. Hey, t'es retour! Ah, après cette petite pause. On boit le Rickards Red, parce qu'on est commandité. Merci Rickards Red. Non, non, non. On n'est pas. On n'est pas le droit de dire ça. On n'est pas. On n'est pas. C'est ça sort de mon portefeuille. Merci à Guillaume de nous commanditer ce sans nom. Bière de dos. Hmm. Ça c'est bon. Pas des billes. T'as une question, Alex? Oui. Oui. Fort ce qu'on a avec une. On parlait des modes de développement, puis mm-hmm, des façons de sortir des jeux avec des exclusivités, ouais, modes physiques, modes non physiques. Qu'est-ce que vous pensez de ça, les modes de. Les jeux où ils sortent des exclusifs lors de la sortie, exemple Mortal Kombat 10, où ce qui sort, mettons, le joueur Goro, qui est supposé d'être juste exclusif lors de la sortie, et il essaie de vendre le jeu. C'est-à-dire exclusif que... en disant. Et le personnage va juste être disponible à ce moment-là. Si tu le rajoutes avant la précommande, il sera plus disponible. Après, tu peux-tu l'acheter quand même? Il n'existe plus? Ça dépend des jeux. Logiquement, il devrait pas le revendre. Sauf que là, c'est sûr que de l'autre côté, c'est de la mode gay. Fait qu'il y a des compagnies qui vendent quand même. Les deux premiers mots qui viennent dans la tête, c'est grosse marque. Je sais pas, mais... Ben, et d'un côté, il faut qu'une compagnie essaye de vendre son jeu plein prix lors de la sortie. Ouais, mais qu'il soit complet le jeu. C'est juste un personnage de plus. Ben, tu vois, présentement. Le data va être dans le jeu, mais va être caché après. C'est pas cher. Mais te le donneront plus. Présentement, il y a un système. Ben, tu sais, il y a Deus Ex. Moi, je suis un gros fan de la série Deus Ex, mais présentement, ce qu'ils font avec, il y a des affaires qui vont chier. Le jeu lui-même est très très bon, puis le prochain, j'espère qu'il va être excellent. Là, on parle de Human Revolution, puis je me souviens du titre le prochain. Human. En tout cas, sacrifice. La part de révolte et de. C'est ça, on change des choses. Mais c'est ça, là, ils ont fait un genre de pre-order bonus que si t'achètes en pre-order, t'as des tiers d'achat. Donc, si assez de monde qui l'ont à pre-orderé, ouais, tu auras le premier tiers qui veut dire, genre, je sais pas. Genre, tu vas avoir des nouvelles armes ou des nouveaux trucs dedans. Deuxième tiers, pour toutes les personnes qui ont pre-orderé et qui ont fait partie de ce tiers-là. Deuxième tiers, s'il y a assez de monde qui continue à pre-orderer, là, tu te mets à avoir des nouvelles maps, puis un autre tiers, à un moment donné, ils vont sortir le jeu 4 jours plus tôt. Là, t'es comme, oui, mais si vous promettez de sortir le jeu 4 jours plus tôt, ça veut dire que il est fini 4 jours plus tôt. Hein? Pourquoi vous le sortez pas déjà? Il y a quelque chose, une crosse là-dedans. Deuxièmement, c'est que ça pousse les utilisateurs à faire du marketing pour le jeu. Pour la compagnie, tu sais. Fait que, moi je l'ai pre-orderé, toi tu l'as pre-orderé, je vais avoir le 4 jours plus tôt, quand ton ami pre-order pas, t'es comme mon tabarnouche, toi tu m'appelles avant mon pre-order. Ça crée de la merde. Je vois ça comme des stratégies machiavéliques. C'est machiavélique, c'est mauvais. C'est désagréable, puis c'est ça, c'est de la mauvaise pratique envers ton consommateur. Pareil, comme tu parles de Goro, Battlefield, ils ont fait pareil, Battlefield Hardline, il y avait trois armes. Que si tu pre-orderais, tu avais accès à ces armes-là, mais si tu pre-orderais pas, tu n'avais pas accès, tu n'avais pas le droit. Mm-hmm. Puis on s'entend que normalement, il y a plein d'armes, puis il n'y a pas vraiment d'armes qui sont meilleures que d'autres. Il y en a un peu dépendant de ton type de jeu, mais ils essaient de faire que c'est pas du pay-to-win quand même. Sauf qu'il arrive, c'est que c'est ça, si tu te fais tuer par cette arme-là, puis toi, tu n'avais pas pre-orderé parce que tu ne veux pas prendre le risque, peut-être le jeu est à chier, peut-être qu'il n'y a pas assez de monde qui vont jouer, peut-être que je vais gaspiller 65$. Là, t'es puni de ne pas avoir pre-orderé ton produit. Aucune façon par rapport à de le récupérer. T'sais, c'est au moins. Si un pre-order de même, puis qu'après tu payes un 5$ de plus, un 10$ de plus pour avoir ce produit-là, à la limite, je déteste le principe de DLC, je déteste tous ces concepts-là, mais déjà au moins ça patche un peu le problème. Parce que si t'as fait, ok, j'aime vraiment le jeu, puis moi, je vais le payer plus cher que le gars qui l'a pre-orderé. Donc le pre-order, la personne qui a fait le pre-order a eu un rabais. Mais si t'as aucune façon d'avoir le même contenu initial, ouais, c'est ça.
t'sais, en payant plus, je suis d'accord, mais c'est quand même chiant pour la personne qui aime le jeu puis qui peut pas avoir tout le contenu qu'il pourrait normalement avoir. Ça, je trouve c'est vraiment dommage. Puis en même temps, ça crée un autre problème, parce que là, si tu donnes accès au contenu par la suite, puis pour pre-order, ben les personnes qui sont très collecteurs puis aiment avoir cette espèce de privilège-là, ben ils perdent le privilège parce que le monde peut l'acheter. Alex l'avait perdu sur Hero Warrior, mais en même temps, moi, ça m'aurait fait épouvantablement chier. Parce que moi, je l'ai acheté sur les shops. Sur Hero Warrior. Hero Warrior, si tu l'achetais à tel magasin, t'avais un costume de Link, de Ocarina. Si tu l'achetais à tel magasin, t'avais un costume de Twilight. Alex l'avait pre-orderé, quelque part, il y avait un costume. Amazon. Mais il s'est quand même passé presque un an, 6 mois, avant qu'il sorte sur les shops. C'est ça. Il peut avoir un délai. Mais quand même, tu sais, sortir le contenu quand même. Là, il perdait sur l'exclusivité, mais en même temps, il l'a eu gratuit. Moi, j'ai payé. Si oui, tu l'as donné ou tu l'as payé? Non, j'ai payé. C'était payant. Fait que pour ça, j'ai moins de problèmes. Mais ça. Ce que j'ai le moins de problèmes, moi, c'est. J'aime pas ça que le contenu soit différent s'il y a des affaires à même. Moi, j'aimais ça quand. Si tu voulais payer plus cher, c'est parce que tu avais une édition collection, puis là, ils te donnaient, mettons, un livre spécial, une trame sonore, ou un objet avec. Puis Nintendo fait encore beaucoup ça sur leur truc. C'est rare que le contenu. Je pense pas que le contenu est altéré. Ce genre de truc-là, là, comme vous parlez, je trouve ça vraiment poche. Je trouve ça. Surtout si ça débalance le jeu parce que tu as payé plus. Ben, ça débalance pas nécessairement, mais ça crée des frustrations. Tu sais, comme moi, je jouais beaucoup à Team Fortress avec du monde à mon ancien job. Puis eux autres, ils jugeaient à chaque fois. Ah, oh, ben, puis vu que j'avais joué beaucoup, ben, tu sais, j'avais des armes spéciales que tu unlocks parce qu'ils drop, puis j'avais ces armes-là. Moi, j'ai jamais payé pour une arme dans Team Fortress, puis ils font un peu d'argent grâce à ça. Mais c'est ça, j'avais unlocké des armes. Puis les armes, c'est très bien balancé dans Team Fortress. Il n'y a pas une arme qui est vraiment meilleure qu'une autre. Okay. Les armes, ils font toutes des petites affaires différentes, plus ça, moins ça, puis ils sont toutes très balancées. T'sais, s'il fait plus de damage, elle tire moins vite, fait que tu fais au final presque le même damage. C'est tout situationnel. Mais eux autres, vu que moi j'arrivais avec mon arme qui marchait pas comme eux autres s'attendaient, ben, ça les faisait chier, puis ils disaient c'est pas juste. Puis il y avait comme une espèce de concept de déséquilibré. Pour mon personnage, j'avais tout le temps l'impression que vu que j'étais bon à jouer, mais que j'avais une arme différente, ben là, c'était la faute que j'avais l'arme. C'était l'arme qui faisait que j'étais bon. Mais là, si j'utilisais l'arme normale puis j'ai tué quand même, ben là, c'était juste que j'étais un mangeur de marde puis c'est pas juste. Mais bon, tu sais, la psychologie humaine fait ça. Fait que quand t'as une arme différente, c'est pas ton talent qui va le faire. C'est que t'es un cheater ou que t'as une arme qui est meilleure qu'eux autres puis c'est rendu pay to win. C'est pour ça que j'aime ça que ce soit quelque chose d'extérieur au jeu. C'est que ce soit une collection. Tu sais, comme là, Xenoblade, pour les fans, parce que ça s'adresse quand même à des gens très fans, là. Ça vient avec plein d'un livre collection, si tu veux, l'édition plus chère. T'sais. Ça vient même avec une clé USB qui est formatée, qui ressemble à quelque chose que dans le jeu, puis qui a des barres bleues qui allument vraiment bien. Ça peut être le fun. Mais tu sais, c'est tous des petits items, puis dessus, une trame sonore. C'est des trucs bonus qui, si tu t'en fous, ben c'est parfait. Je me sens pas puni, moi, de pas acheter cette version-là. Surtout d'habitude, c'est de la crap. Fait que c'est du plastique tout cheap, tout croche. Mais si t'aimes ça, tu peux le prendre. Si t'aimes ça, tu veux avoir. Comme moi, il sortirait les trucs de Zelda qui sortent pas ici, ça me fait chier. Ouais. J'aurais aimé ça avoir le Majora's Mask avec le truc. Parce que là, je suis un fan de Zelda. Ah, pour d'autres jeux, je m'en fous. Puis je me sens pas. Le jeu, je l'ai pas moins aimé. On a le même jeu. Ça, au moins, c'est ça. J'ai pas une mauvaise expérience de jeu à cause que j'ai pas eu le même contenu que tout le monde. Ça réduit pas ton expérience du software lui-même. C'est vraiment juste que t'as des accessoires real life que tu reçois. Qui après prennent une valeur. Ça peut être, genre, ils te donnent genre, des backgrounds, ils donnent des sons. Ils ont essayé ça. C'est sûr que la plupart du monde s'en fout, mais tu sais, des digital art books, des soundtracks. Ça peut être ça, tu sais, ça, j'ai pas de problème qu'ils te donnent des thèmes pour ton 3DS. C'est ça, si tu payes, c'est en Digital Deluxe. Ça, c'est le genre de récompense que je trouve correct. Mais du contenu dans le jeu, t'as unlocké, mettons, un DLC gratuit parce que tu l'as payé en pre-order, mais finalement, tu sais, tu prends un gamble pour t'assurer est-ce que le jeu est bon ou non. Ça fait juste créer une mauvaise vibe dedans, cette espèce d'industrie-là. Ça fait en sorte que le monde s'attend à recevoir des pre-orders. Puis là, ils ont un rating de succès, c'est certain, par rapport aux pre-orders. Le studio s'attend à recevoir des pre-orders. Puis s'ils n'ont pas eu des pre-orders, ils se posent des questions. Pourquoi on n'a pas vendu des pre-orders? Qu'est-ce qui s'est passé et tout? C'est parce qu'à un moment donné, le monde va essayer de tanner, puis ils vont tout le temps trouver. Gars, je paye plus tant que je suis pas sûr que le produit est bon, parce que maintenant, on vous donne l'argent avant, puis votre jeu, c'est de la merde. On est tanné de faire ça. Fait qu'on va juste vous donner l'argent à la fin. Puis plus personne n'a le contenu ou ça crée plus de frustration. Ça crée une mauvaise relation entre le développeur puis le. C'est la même chose un petit peu quand il sort le DLC, la façon qu'il le propose tout le temps, c'est tout le temps. Ah, c'est seulement accessible en pré-vente. Ouais. Donc, il va être seulement disponible en pré-vente. Si tu ne l'achètes pas en pré-vente, Hero tu ne l'as pas. C'était ça. Tu ne l'as pas. Fait que si tu ne l'as pas. Puis Hero Warrior, tu sais, c'était un gros. Ça crée une pression à l'acheter. Moi, c'était un gros saut dans l'inconnu, Hero Warrior. C'était comme.
acheter pour 19$ un Season Pass, dans le fond, qui fait que tu auras tous les DLC quand ils vont sortir. À part les costumes, ça c'était pas spécifié. Mais ils ne disaient pas spécifiquement qu'est-ce qu'il allait avoir dans les trucs. Puis moi, je m'imaginais, ok, ben, il va y avoir des nouveaux tableaux. Si je marquais des nouveaux trucs, je pensais qu'il allait créer des nouveaux designs et tout. Non, c'était juste du recyclage. J'ai eu beaucoup de plaisir, ça, en passant, par exemple. À chaque fois, ça nous faisait revenir dans le jeu. Puis on a passé 500 heures en passant dans mon jeu, là, tout le monde ensemble ici, là. Ce qui est épouvantable. Mais. C'est comme un. Ouais, mais c'est énorme pour moi, 500 heures dans un jeu. Puis j'aurais. Il m'aurait dit, il va y avoir une autre saison avec d'autres trucs, puis on va mettre un peu plus d'affaires, j'aurais sauté dessus. Parce que c'était le jeu, j'avais beaucoup de plaisir à jouer avec mes amis. Ouais. Je pense que c'est toute une question de formulation. Tu sais, comme tu dis, s'ils te disent ton DLC, tu vas l'avoir, puis tu pourras pas l'avoir sinon, puis ouais. Ton tableau, tu peux juste l'avoir en pre-order. Puis que genre 6 mois plus tard, hey, voilà le DLC. Là, t'es comme, sérieux, je me suis forcé le cul pour te lâcher un pre-order pour l'avoir. Ce qu'il devrait dire, c'est, si tu l'achètes, il est inclus. C'est comme si tu l'avais acheté avant et qu'il te revient moins cher. Ouais. Mais plus tard, tu vas pouvoir l'acheter, mais c'est juste que tu vas te payer plus cher pour l'avoir. Ça, c'est, ouais, c'est une si condition. C'est au moins un rabais quand tu c'est ça, c'est que ça te crée un rabais, puis ça te crée un espèce de bundle qui te donne plein d'affaires. Tu payes quasiment le même prix que t'aurais acheté normalement le jeu initial, mais ça te donne du contenu plus que plus tard, il va falloir que tu payes. Qui te l'advertise comme ça, ça c'est legit. T'sais, c'est déjà c'est un peu plus honnête comme technique, mais c'est ça, de te le vendre en partant. Je vais te donner deux exemples. Tomb Raider, lors de la sortie, il fonctionnait un petit peu comme tu as dit, avec les tiers. Aido, ça aime beaucoup les tiers, par exemple. Ouais. Il présentait des tiers, ok? Fait que tu l'achetais full prix et il venait avec les expansions. Puis je pense que Tomb Raider, c'est un des exemples les pires là-dessus, c'est après 3 mois, il était déjà rendu à 19$. Ouais. Fait que tu l'as acheté plein prix, là t'avais bien beau l'acheter à 20$ avec toutes les DLC, t'arrivais même pas au prix que t'avais payé en pré-vente. Non, c'est ça. Sur les autres consoles, c'est rendu vraiment, faut que tu conditionnes à faire, ne l'achète pas là le jeu. Tu sais, même Fallout 4, je le veux, puis je vais souvent vouloir jouer, puis je vais être comme un total acheté à 75 plus taxes là maintenant, on frôle le 100$. 75 plus taxes, ouais, puis c'est 75 si tu le pognes canadien 75, parce que si tu le pognes US en plus, t'as le taux de change, tu te montes facilement 104$. Tu sais, je sais qu'au printemps, tout de suite après, il va être probablement, il va en avoir des tonnes sur les tablettes chez eBay Games. Oui, oui, ça c'est sûr en plus, parce qu'ils vont en avoir acheté beaucoup pour les consoles. Puis comme pour PC, c'est plus dur à ça, parce que t'as pas un marché où est-ce que, tu peux aller les racheter au GameStop ou whatever, au eBay Games ici. Sur PC, tu vas avoir mené un DLC Game of the Year qui va sortir dans un an et demi, deux ans. Fait que, moi, je suis pas prêt à attendre ce temps-là pour avoir cette expérience-là. Puis je sais que je vais payer le jeu 75$, mais on a eu le 30% de rabais Amazon, en tout cas, moi, oui. Puis après ça, là, je vais falloir que j'achète chacun des DLC qui vont prendre 25$ parce que maintenant, ils augmentent toutes les montagnes du prix. Fait que là, je vais avoir 3 DLC qui vont monter le jeu au complet à 150$, à peu près. Quand t'es sage, t'attends un an, t'achètes l'édition Year of the Year. L'édition of the Year avec toutes les DLC. Puis si t'es encore plus patient, t'attends une autre année après, puis c'est sûr, tu l'as pour 29$, puis t'as le jeu avec toutes les DLC avec tout au complet. Ou 15$, toi, je pense que tu l'as pogné Fallout Vegas, là, comme ça. C'est un marché un peu étrange. Moi, je me dis de plus en plus, avant, j'étais tout le temps fin point, je voulais le meilleur matériel. J'ai toutes les Fallout. Mais c'est ça, je me pognais tout le temps meilleur matériel, je me prenais tout le temps des jeux DS à la sortie, j'achète toutes les DLC. Maintenant, je garde le matériel correct, que j'upgrade de temps en temps, mais tu sais, des petites affaires, c'est plus mid-range. Puis je joue les jeux à mesure qu'ils passent. Je baisse un peu le graphique quand j'ai besoin de jouer quelque chose de très récent. Puis c'est ça, j'attends que le jeu soit rendu next-gen, rendu last-gen, puis je m'achète une nouvelle carte vidéo à 200$ aux 3 ans, puis touf, ça me coûte vraiment, mais vraiment moins cher. C'est avec Nintendo jeux, avec leurs jeux tout le temps. Non, c'est ça, je me suis acheté la console, je me suis acheté les jeux, les manettes, puis tout. Sérieusement, je suis des milliers de dollars de Nintendo, puis je suis un petit peu déçu de la console. Je trouve ça dommage, où est-ce qu'elle s'en va? Je suis comme, tu sais, c'était trop tôt. Là. Je l'ai acheté à cause de Mario Kart initialement, je me disais enfin que ça se réveille, puis toute la promesse qu'ils nous ont donné, ça se réveille pas, genre ça, y a rien qui se passe, puis je trouve ça un petit peu. On est bon. À la NX, c'est une affaire aussi que je veux absolument. En plus de la vitesse de ça, c'est la vitesse de loading. C'est mon plus gros blocus en ce moment. Ouais. Moi, je me rappelle. C'est la philosophie de développement qui change. Parce que Super Nintendo, n'importe quand, j'avais 5 minutes pour jouer, clac, joue. Là, c'est comme. Est-ce que j'ai 10 minutes d'attente de loading? Au moins, de processus, de menu. C'est pas comme l'Xbox, au moins. C'est pas à chaque fois que tu repars à Xbox. Ouais, des updates de. T'as un update de quelque chose. Tu même PS4, tu joues à des jeux pour jouer à des jeux. C'est pareil. À chaque fois que je pars à ma PS4, c'est. Oh, update. Tout s'empile un par un, puis après ça, ben tu peux pas jouer parce que t'as passé 30 minutes à l'été, c'était le 30 minutes que t'avais pour jouer.
c'est un petit peu la même, le même problème avec les jeux mobiles, avec les mises à jour, ouais. Tout ça. Mais je comme moi, il y a un jeu. Ils s'updatent par eux-mêmes. Ouais. Fait, moi, j'ai ben, ça dépend. Il y a toujours deux façons de mettre à jour. Il y a soit par le store. Le store, c'est qu'ils mettent à jour complètement. Ouais. Puis il y en a qui ont du online content qui s'ajoute en plus. Fait qu'ils downloadent deux fois. J'ai moins senti ce problème-là. On dirait qu'ils ont réussi à mieux patcher pour réussir à pas tant trop sentir. Pareil comme Steam. Sur Steam, à chaque fois, mon jeu est à jour. Comme Star Wars Range, j'étais arrivé dessus parce que j'ai laissé runner. J'étais allé écouter des films pour mon ordinateur continue à runner en arrière. Puis quand je suis revenu, bah, j'étais rendu à 1.03. J'ai dit, 1.03, c'est quoi cette update-là? Fait que je m'en rends pas compte qu'il update. Ouais. Fait que quand je vais jouer là, t'sais. Mais c'est ça qui est le fun. Puis tu peux même y dire, tu sais, t'arrives pour jouer, il dit ah, il y a une patch, tu veux. Non, je veux jouer. Puis il continue à downloader la patch en arrière, mais il l'installe pas tant que t'as pas arrêté. Puis ça, c'est une option aussi. Ça, c'est le fun. Tu peux faire pause, ouais, comme tu veux. Fait que t'as beaucoup plus de flexibilité. Xbox, tu rentres et comme Nyam! Tu peux faire cancel puis rentrer dedans, mais il y a des jeux des fois que tu peux vraiment pas le faire parce que one day patch, t'es tout obligé d'installer la patch en ayant acheté le jeu. Ouais, je pense que la Wii U est un bon exemple aussi. Là. N'importe qui se rappelle quand nous on l'a acheté une launch, puis tu pouvais pas jouer à la console. Download quoi 6 gigs de 5 gigs de OS. Parce que le OS était pas bon. Il y avait pas d'OS dedans. Je pense qu'il n'y avait juste pas d'OS. Ben oui, il y a un OS, mais tu peux pas partir la console. Je ne vais pas partir la console. Ça lançait un install qui downloadait sur Internet l'OS. Il y avait quand même un OS, même si c'était un pré-OS, mais c'était un OS. Mais il n'y avait rien à faire, tu ne peux même pas jouer un jeu CD direct. Ça a vraiment fait comme moi qui n'ai pas un Internet super vite. J'achète la console super excité, je la débarque, puis. Ça commence mal. C'est comme couper ma joie en partie. C'est comme. Je voyais quelque chose sur Internet qui montrait un. Les consoles de Super Nintendo avec une cassette, puis il dit ça fait 10 ans que j'ai pas joué, pas besoin d'update. Mais le problème aussi, c'était que les serveurs de Nintendo étaient pas très rapides en plus. Ouais, ben, ils étaient overloadés. Parce qu'il y a eu quand même une très bonne launch. Ça s'est battu. Beaucoup de potentiel. Quelques millions dès le départ. Le Gamepad, on était curieux de voir qu'est-ce qu'il allait faire avec ça. La puissance, c'était une bonne puissance de plus. Enfin, du 1080p, c'était comme bon, ils nous donnaient ce qu'on voulait. Ils n'ont juste pas été capables de livrer la marchandise. Ouais. Justifier leur décision. Puis Miyamoto l'a dit aussi en entrevue, c'était comme quand ils ont commencé à penser à développer ça, les tablettes n'étaient pas répandues chez les gens. Mm-hmm. C'est, il y a toujours une grosse. Entre j'ai une idée, ça sort dans le marché. Il y a un gros gap entre les deux, puis c'est là qu'il y a eu le boom des tablettes. En même temps, tu sais, ils disent oh, c'est pas une tablette, c'est de la coffinerie, c'est un écran sur une manette. C'est pas une tablette. C'est combien de pages? Je t'ai dit 480 pages. Parce que, tu sais, une tablette, là, moi, j'ai 480p, c'est pas gros, je m'en fous. Une Nexus 7 ou un iPad, tu peux avoir 480p, puis c'est bien en masse, là. Tu sais, pour ce que t'as besoin d'afficher dedans. C'est un touch qui est cochonnerie. Le touch, c'est le cochonnerie. C'est l'ancien touch qui a fait que les tablettes marchaient pas dans le temps, avant qu'il y ait des vraies tablettes. Mais en même temps, tu sais, ça leur a permis de le vendre vraiment moins cher. Fait que ça, c'est un bon compromis. J'ai pas de bif vraiment avec le touch lui-même, tu sais. Il fait chier un peu, mais bon. Je peux comprendre la décision. Ce que j'aime pas, c'est qu'ils pensent que c'est les Nexus 7 sont arrivés à l'iPad, fait que là, le Gamepad n'avait pas d'intérêt. Non, c'est que tous vos jeux, vous n'avez rien foutu avec. Des jeux. Il y a Wind Waker qui ont mis le menu dedans, puis ça, c'est utile. Zombie U, ça marche super bien le menu. T'es concentré là-dedans, tu vois pas les zombies dans l'écran, puis là, ça te fait peur parce que faut que tu lèves la tête, tu fais oh shit, des zombies! Puis ça, ça marchait avec l'expérience. Puis c'est quoi le jeu que j'essayais tout le temps de jouer sa manette, puis j'arrivais pas à. Ah, c'était Deus Ex. C'est Deus Ex? Le menu était tellement petit. Tu te rappelles pas? Tu sais, le monde utilise mal l'espace. Deus Ex, c'était l'écran qu'on avait mis avec le. Mais aussi le touch, toutes les scores étaient trop petits. Tu sais, c'était mal. À la limite, cette affaire-là, ça pouvait marcher parce que t'avais ton inventaire-là, puis ça allait. C'est juste bizarre parce que t'as comme l'inventaire aussi dans la télé qui sauve la paix. Puis c'était comme ça, c'est bizarre. Pourquoi j'ai les deux? Wind Waker, ça marchait pas bien. Wind Waker, ça marchait, mais en tout cas, il y a un jeu que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'essayais de viser avec, tu sais, il fallait que je clique de quoi, puis je revenais. Mm-hmm. Ben, l'étape d'aller dans l'écran puis revenir, je perdais. C'est pas Zombie U? Mais non, Zombie U, ça marchait super bien. Ça marchait bien. Je perdais le repère sur mon écran puis j'étais pas capable de réussir à jouer les deux ensemble. Fait qu'à cause de ça, ça m'a fait une expérience dégueulasse que j'ai détesté comme ça se pouvait pas de faire ce concept-là. 3DS, ça marche bien parce que les écrans sont vraiment comme lockés ensemble. Fait que t'as ton repère que si t'es le même, tu arrives à l'autre, c'est correct. Mais comme le Gamepad, tu peux faire n'importe quoi avec. Mais c'est ça, t'as un problème de perspective spatiale à réussir à rentrer dedans. Pis ça, il n'y a pas tous les jeux qui essaient de faire un jeu avec le Gamepad. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'ils fassent des choses aussi comme. Tu sais, le Gamepad,
ça permet de faire un game master, puis les joueurs, tu sais, faire des affaires de même. Moi, je m'attendais vraiment à ce que. Toi, t'es caché, puis c'est ça, puis moi, je place des affaires, je vous fais des affaires. Même un joueur de dragon, justement, des jeux, tu sais, il aurait pu approcher des compagnies comme Blizzard, leurs jeux de cartes. T'as du monde qui avance dans un truc, puis là, t'es comme. Tu vois, ça tu je vais mettre un gobelin ici. Oui, le gars va découvrir le gobelin. Tu peux changer l'histoire, tu peux. Puis, c'est ça, le jeu de cartes, c'est Hearthstone. Ouais, imagine avec deux gamepads, t'as l'écran face à face sur ta télé, puis chacun a ses cartes ici. Ça aurait été cool, tu fais juste les glisser de même dans la télé. C'est des mécaniques qui se peuvent, parce qu'on a vu le jeu qu'on lançait des jeux. Ah, c'était à chier, ça. Mais ça marchait bien. Ouais, moi j'ai pas aimé. Je veux dire, juste le fait de lancer ta carte pendant Mais ils n'ont pas réussi à exploiter. Ils n'ont pas été chercher les gens. Ils n'ont pas vendu les trucs. Ils n'ont pas réussi à faire en sorte que le gamepad, le monde fasse ah oui, ça marche très bien. C'était vraiment comme ah, gamepad. Puis le monde allait chercher plus une manette pro, une Wii. Puis ils n'ont pas été séduits toutes les compagnies qui font des jeux de cellulaire. Tu sais, on s'entend que Angry Bird, il vendait 50$. Ouais, ça c'est absurde. C'est comme je l'ai pour 99 cents sur mon cellulaire. Pourquoi il n'est pas 99 cents là-dessus? J'ai la même expérience, là, c'est Touch. Oui, mais c'est comme. Puis même sur GameCube, tu sais, GameCube avec Wii U, t'as ton crayon, t'es comme. Tu sais, il faut quand même que tu l'utilises avec ton crayon. C'est pas. Non, mais c'est ça, d'aller séduire les jeux qui ont bien marché sur OS et compagnie, iOS et Android, ça aurait été un bon move, tu sais. Il y a eu comme un. Vous savez, une tablette, là, je veux dire, il y a des jeux qui marchent sur tablette. Puis il y a des jeux qui marchent. T'as un écran là, un écran là. Il est caché. Profitez-en. Regarde, les Mario, tout ce qui est party, ça a été raté, je trouve. Au lieu de faire un Mario Party, un Wii U Party, un c'est quoi l'autre aussi? C'est Wario quasiment party. Puis de diluer tous les jeux, puis de faire des boards mauvais, puis tout. Ou est-ce que tu brasses tes dés pendant une heure, puis tu joues 3 mini-games. Faites un gros jeu, c'est toute la même équipe qui les ont fait un après l'autre. Faites un bon jeu. Puis j'ai ça de diluer le contenu. Diluer le contenu en plusieurs jeux au lieu de faire un masterpiece qui va rester, puis les jeux, genre, vont recommencer à jouer, vont continuer à jouer. J'ai pas le goût de. À chaque fois qu'on joue à des mini-jeux, parce qu'on aime ça des fois, on fait des soirées en famille, on aime ça jouer à des mini-jeux. Chaque fois, c'est comme ah ouais, ça c'était dans ce mini-jeu-là que vous aimez. Vous aimez ce mini-jeu-là, puis vous voulez leur jouer, faut que je trouve le disque là-dedans, dans les menus, loading, nanana. Je veux un bon jeu où qu'on peut jouer et qu'on peut s'amuser. Puis qu'on peut se paramétriser surtout. Mais ça, Mario Party aussi, c'est la compagnie qui faisait a changé. Fait que depuis, c'est quoi, depuis le 8 que c'est Mario? Je sais pas, le 8 était très bon. Très bon, depuis le 9, 10, puis celui au 3DS. Les 3 qui ont sorti, c'est une nouvelle compagnie qui s'occupe de ça. Et ça ne marche pas. C'est pas bon. Tu joues jamais au mini-jeu. Tu joues jamais. T'as aucune stratégie. Depuis qu'ils ont mis tout le monde dans le même véhicule, il n'y a plus de stratégie sur le board, il n'y a plus de fun. C'est pas le fun, là, même quand toi, mettons que tu gagnes tout le temps et tu perds en fin. C'est pas le fun. T'auras pas le feeling de ben j'étais bon, je gagne. Moi non, c'est. Mais Mario Party en même temps, t'as jamais eu le feeling de vraiment c'est toi qui gagne parce que t'as fait les bonnes décisions. Il y avait un peu plus de stratégie avant quand même. Peut-être, mais j'ai jamais joué à ça pour avoir ce sentiment-là. Non. Mais c'est vrai que tu sais d'avoir. De juste jouer, t'as l'impression de tuer du temps, puis tu sais, t'as d'autres choses à faire. Il y avait de la stratégie, il y avait de la chance. Il y avait un petit peu de tout. Qui faisait ça a changé votre problème. Beaucoup de chance, mais qui faisait qu'au final, tu disais ah, ben j'étais mal chanceux dans ce game-là, la prochaine, je vais être bon. C'est surtout que ça crée des situations que t'as plus maintenant. Non, c'est ça, t'as plus dans le véhicule. Puis là, les chauffeurs, c'est autant genre ah, oh, qui c'est qui va transférer son argent à quelle autre personne lui à lui. Tout est juste comme j'ai rien à dire. Ils ont tous vendu Mario Party 10 en disant là, le gros mode, c'est que tu joues celui qui a le pad et Bowser. Il y a 10 mini-jeux. Il n'est même pas équilibré. Il y en a 10. Il n'est pas équilibré. Non, tu gagnes tout le temps avec Bowser. Mais de 1, il faut que tu l'équilibres. Puis de 2, 10 mini-jeux. T'imagines-tu comment c'est rapide de faire le tour de ça? Mais faites pareil aussi quand t'étais le gamepad dans les jeux dans. C'est quoi Mario Land? 3D Land? 3D World? 3D World? Ouais. 3D World, c'est celui en 3D que t'as le monde. Qui avait Tracker, qui avait Toad. Non, moi je parle de plein de mini-jeux, là. C'est Nintendo Land. Nintendo Land, que t'avais, mettons, les deux petits bonhommes qui ramassaient, qui chassaient le monde qui ramassait les fruits. J'ai joué la semaine passée. Puis si t'es bon à avoir les deux hémisphères, tu pins tout le monde, puis c'est trop facile. Pareil que c'était le fantôme, puis t'es moindrement un peu bon en stealth.
t'es overpowered, ça n'a juste pas de sens. Mm-hmm. Le pauvre gars avec sa flashlight, il est juste pas capable de tourner. Ah, ouais. Mais ça, on en a parlé, c'est un jeu qui aurait dû être updaté vu qu'il est bundlé tout le temps avec la console. Il aurait dû ajouter des mini-jeux, ajouter un support d'Amiibo pour ajouter des mini-jeux. Fixer les jeux surtout aussi parce que j'ai jamais joué. J'ai joué au début quand c'est sorti, on a fait « Ah, c'est drôle! » Ben nous, on l'avait pas sorti plus longtemps, on a joué la semaine passée. Ouais, tu joues une fois par 6 mois, genre. Ouais, ouais, pis y'a pas tant de jeux que ça, pis y'en a beaucoup qui c'est single player. Le Mario qui court pis qui se cache, c'est drôle pendant un bout, c'était quand même vite. Mais étonnamment, par exemple, le mini-jeu que j'avais pas joué en multiplayer, c'était Pikmin dedans, pis c'est vraiment le fun en multiplayer. Ouais. C'est une quest vraiment, pis t'avances. Zelda, il est juste trop dur de balancer, à un moment donné, tu bloques. J'ai jamais fini. Okay. C'est peut-être qu'on est poche. Ouais, peut-être, mais c'est ça. C'est des jeux, c'est une bonne initiative d'essayer de faire ce que je disais, des prototypes, pis d'essayer des jeux, pis voir qu'est-ce qui marche. Il n'y a pas de suite après, il n'y a pas de patch, il n'y a pas de modification, il n'y a pas de « Ah, vous avez aimé ça, mais à cause de ça, ok, attends, on va le tweaker, on va le changer. » Non, c'est juste « Ah, ok, vous n'avez pas aimé ça, tant pis. Ouais. » On va le bundler avec Super 2.0, tu mets un nouveau support, parce qu'il faut que tu justifies que n'importe qui reçoit la console avec le jeu de base puisse avoir accès à un niveau. Vous les poussez tellement, il faut que vous les justifiez à un moment donné. Tu sais, puis si c'est juste que... T'as le personnage, ça, on en a parlé souvent. T'sais, déjà que c'est un costume, c'est niaiseux. Mais quoi, tu stupide comme Mario Maker. Tu passes l'amiibo, ok, ça fonctionne pour un mode de play, mais il n'existe pas en version 3D, il n'existe pas dans tel mode. Il n'existe pas dans tel mode. Ouais, ben, c'est sûr, dans Mario Maker, c'est complété avec 57 amiibo. Ouais, quand tu scannes, ben, ça donne un champignon spécial qui transforme en amiibo. Ben, ça donne carrément le costume, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis, c'est juste pour Mario Bros. 1. Ils n'ont pas fait les assets pour Mario Bros 3, ni World, ni... C'est juste compatible avec le vieux Bowser. Fait que les gens qui veulent faire des tableaux avec des bonhommes spéciaux sont limités à jouer dans Mario Bros. Ouais, tu vois ça serait facile à faire avec une patch, mais... Bah même là, ça c'est quoi qui devrait avoir le Day 1, regarde. Oui, c'est les assets de base. Clairement, mais c'est ça, ce que je veux dire, c'est... déclaration, comme ils ont dit tout de suite, comme « Ah non, il n'y aura pas de DLC de Mario Maker. » Faites juste pas le dire au pire. Faut que tu le dises. On s'y attend pas, mais on met pas une clé dans la porte là-dessus. Là, on laisse la porte ouverte au cas où que, on ait besoin. Pourquoi pas? Il y a des décisions. S'il y a un intérêt pour ça, on va le faire. Mais comme s'il y a un intérêt, on va le faire. Pas genre, ah oui, on veut avoir plus d'argent sur votre dos, mais pas vous le dire maintenant. Non, c'est si vous êtes intéressé d'avoir moi, je pense qu'il faut que ce soit des DLC gratuits absolument pour Mario Maker. Si c'est des nouveaux assets. Parce que sinon, c'est pas compatible avec les autres gens qui vont jouer tes tableaux pis tout. Ça peut devenir compliqué. Je pense que c'est le genre de jeu qu'il faut qu'ils mettent du contenu gratuit. C'est vraiment moins pire qu'il y a plein d'autres jeux qui ont fait des DLC. Donc, tu regardes Battlefield, ça segmente complètement les user base, mais le monde continue à acheter des DLC puis ça marche bien. Mario Maker, on s'en fout, là. Si tu t'as pas le DLC, ça te montre pas les maps que t'as pas, mais t'as quand même 10 000 autres maps à utiliser. C'est pas un deal breaker. Ça peut devenir compliqué. Je pense que c'est le genre de jeu qui pourrait faire ça gratuit. Je pense pas que c'est nécessaire d'aller cacher là-dessus. Ils pourraient, mais ils peuvent. Ils ont déjà fait de quoi? Si dans la culture, le monde sont prêts à payer, pourquoi tu vas pas le faire payer? Tu vas pas y donner gratuit, À moins que tu veux du capital. Tu peux jouer les tableaux des autres qui ont fait ça, mais tu peux pas en fabriquer. Ça serait déjà mieux. C'est déjà ça pour les amiibo. Si, mettons, moi, j'ai scanné mon amiibo. Si tu payes pour faire des amiibo, pas des amiibo, faire des niveaux, ben là, tu vas dire, ben écoute, c'est déjà dans le jeu, fait que tu m'as juste comme bloqué du contenu qui existait déjà parce que l'autre peut le jouer. Ouais. Là, ça va créer un tollé. Non, c'est difficile. Dès que tu rentres dans le nuage de payer les choses, anyway, ça fout la merde. Une texture de brique, c'est ça. Je veux dire, donne-la. Ouais. Mais c'est l'argument qui sort tout le temps. Là. C'est, oui, mais il y a quelqu'un qui a travaillé pour faire cette texture de brique-là. Fait qu'il faut payer. Mais vous faites de l'argent sur le jeu, puis vous voulez le garder en vie. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qu'il faut donner. Ben regarde, Shovel Knight, ils n'ont aucune raison de nous donner ça gratuit, c'est immense, leur truc. C'est un nouveau personnage, je joue même pas avec Shovel Knight, le DLC, là, pis c'est gratuit. Ok, tu parles dans Mario Maker? Non, jeu Shovel Knight, le gros DLC pack qui s'en vient, là. Mm-hmm. C'est tous des nouveaux tableaux, tu joues avec un nouveau personnage qui est pas Shovel Knight. Okay. C'est vraiment le méga DLC. Oui, mais autres, tu vois, c'est une bonne stratégie parce que ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas entendu parler de Shovel Knight. T'sais, tout le monde qui a joué, ils ont déjà joué, ils retournent plus parce qu'ils l'ont fini. Ouais. Fait que là, de remettre de la vie dedans, ça fait que du monde qui l'avait déjà bon joué dedans, ça va faire parler, ça va faire remousser l'information. Là, soudainement, il y a du monde qui l'avait jamais acheté qui vont l'acheter. Puis là, eux autres, ils ne vendent pas le DLC, mais ils achètent à travers le DLC la popularité, du marketing viral par tout le monde, par toi, par moi, par n'importe qui. Comme on le sait, là, on en parle, c'est ça. Hein? Mario Kart, il serait temps de... Ouais, Mario Kart, il vend le DLC, ça aussi. Ça, je trouve ça un peu dommage des fois. Tu sais, oui, c'est du bon contenu pour le prix que ça, c'est que t'as, mais... C'était pas cher, mais j'avoue que ça pourrait...
ça pourrait être gratuit, parce que ce qui est le fun, c'est que quelqu'un qui l'achète aujourd'hui, il faut qu'il achète encore le DLC. C'est ça, pour avoir ce contenu-là, oui, il y a un moment à avoir, mais en fait, je pense que maintenant, si tu ne l'as pas acheté les Mario Kart, tu ne l'achèteras pas. Imaginons dans un monde où ce que Nintendo avait décidé qu'on fait des DLC, mais ça va être toujours gratuit. Comme Splatoon. Tu sais, imagine la réputation. Splatoon, présentement, c'est gratuit parce que c'était déjà fait. Ouais, mais le nouveau contenu qu'ils vont faire. Ben, depuis où c'était plus dans le jeu. Toute la nouvelle patch puis les nouveaux Gatling, c'était pas dans le jeu. Il y avait encore du monde qui avait trouvé du contenu. Non, ils viennent de le retrouver sur la patch qu'ils viennent d'ajouter. Mais ça a été développé entre le. Mais c'est ça, c'est comme année, je suis sûr que c'était du contenu qu'ils avaient déjà développé. Puis là, maintenant, ils vont commencer à faire des DLC. Parce que dedans les FPS, c'est ancré dans la culture. Tu peux faire payer le monde pour le contenu. Ouais. Fait que ça m'étonnerait pas. Mais c'est juste, s'ils le font pas payer, c'est juste une décision parce que présentement, ils voient que leur user est en train de dwindler et est en train de tomber. Non, mais t'as sûr, c'est tellement un bon move. Je veux dire, tu fais de l'argent avant le jeu, puis les gens veulent acheter le jeu parce que c'est Colin, il y a toujours des nouveautés dans le jeu. Tu vois, c'est une limite. Hein, la quantité, ouais. Si t'es rendu avec 60 guns, c'est pas intéressant. Là, tu t'en fous de la quantité de guns. C'est pas ça qui est important. C'est est-ce que le core il marche bien. Mm-hmm. Présentement, le 2 niveaux, là, je trouve ça con parce que quand il y a un événement, oh mon dieu, ça devient 3 maps en rotation. Mais 2 maps en rotation, c'est insuffisant. Le truc qu'on parlait, les filles, il faut que tu les enlèves. Le truc, à chaque fois, le petit bonhomme, il te dit « Ah, t'as un nouveau gun, je veux que je te l'explique. » Non, c'est beau, je veux juste jouer. Je vais avoir la description sur le gun anyway si je veux. C'est ça. Puis ajouter des niveaux, ça donne des goûts, le goût de pousser là-dedans. Il y a des nouveaux items aussi, des nouveaux vêtements. Ça, c'est cool, t'as le goût d'aller dedans. Mais c'est ça, c'est d'enlever les irritants, puis de faire en sorte que tu rentres dans le jeu, puis t'as le goût de jouer. Puis que le soir, on arrive chez nous, puis qu'est-ce qu'on a le goût de faire les trois? C'est de rentrer dans ce plateau, puis se faire une game, les trois ensemble, puis avoir du fun. Mm-hmm. Puis pas se faire chier à genre rentrer dans une game, puis on espère qu'on est ensemble dans le map. Puis pas ça. J'avoue que. Qu'on joue pas un contre l'autre. C'est ça? C'est exactement ça. Mais c'est ce que je te dis, c'est que maintenant, au moins, tu peux faire un party. Si tu fais des matchs rankés, on peut se faire une gang de trois personnes. Puis là, on va matcher avec un autre dude par rapport qu'on va jouer contre quatre autres gars. Mais quand t'es au bout, mais c'est ça, c'est faut quand même faire cette espèce d'équipe-là, puis ça nous force à jouer en ranké. Fait que si t'es du genre comme moi qui aime pas ça le ranking, je trouve les ladders, c'est c'est dégueulasse. Mais j'ai pas le goût de jouer sur un ladder, mais j'ai pas le choix. Avec vous autres. Ce qui est fun, par exemple, c'est comme un ladder un peu plus nous autres ensemble. Ouais, on n'est pas jugés individuellement. Fait qu'au moins, on est tout le temps comme classés ensemble, un peu comme StarCraft, mais c'est ça, t'es quand même forcé là-dedans. Fait que, fixer toutes ces affaires-là, faire en sorte que tu fais ton squad, tu fais ta gang, puis tu pars jouer dans le jeu. Mais là, c'est ça. Mais quand même, comme Mario Kart, s'il y a un Battle Monde à faire, je pense qu'il faut que ce soit gratuit parce que oui, Battle c'est Monde quelque chose que tout le monde s'attendait à ce que ce soit dans le jeu. Mais Mario Kart, c'est trop tard, c'est déjà fini maintenant. Ça peut être relancé. Ça? Pourquoi? Qui c'est qui va arriver? Genre, parce que ça sert à rien de faire un Mario Kart. T'ajoutes des tableaux à place. Tout le monde qui avait une Wii U en Mario Kart. Mais non. T'en connais encore qui n'achète Mario Kart 8? Ben, il y a bien du monde qui ont une Wii U pis qui ont pas Mario Kart. Puis je connais du monde qui ont des jeunes, des petits qui ramassent de l'argent en ce moment pour s'acheter une Wii U pour avoir une. Pour s'acheter pas Mario le monde Kart. Qui s'achète Wii U, oui. Mais ce que je veux dire, c'est toute la vague Mario Kart, tout ce qu'ils ont réussi à milker, ça a passé. Puis maintenant, ça fait trop longtemps pour que ça continue à réussir à bien vendre puis à réussir à faire mousser. Cool. Tu vas avoir les fans de Mario Kart qui l'ont pas acheté. Que ça, c'est déjà une aberration avec le mot que je dis. Les fans qui le veulent, mais qui l'ont pas, c'est qu'ils avaient pas d'argent, quoi que ce soit, là, ils pourraient le prendre, mais ils n'ont pas baissé le prix, fait que c'est encore inaccessible un peu. Mais tu sais, on s'entend qu'ils ont sorti le jeu, ça crée une vague. Tant qu'ils ont la vague, ils sont capables de sortir des DLC. Ça marche plus, c'est ça. Mais à un moment donné, s'ils sortent plus de DLC, ils sortent plus rien pendant 6 mois, un an. C'est même pas des fois en plus. C'est même pas de. Mario Kart, je l'ai même plus en tête, j'ai entendu personne parler de Mario Kart, c'est mort. Ah ouais, mais cherche Mario Kart online, puis tu sais, tu regardes même dans les jeux qui se jouent présentement, dans le Miiverse, là, quand t'arrives dans l'écran, Mario Kart, ça fait un bout de c'est qu'il en parle pas du tout, tu sais. C'est pas qu'il en parle pas. Non, mais je veux dire, il m'aurait dit qu'il va avoir aussi une autre. Il va avoir des nouveaux tableaux en ligne, il va avoir d'autres tableaux. Trop tard. Je pense pas. Tu regardes des jeux. Faut que tu maintiennes ta vague, tu vas être capable de. Faut que tu nourrisses ton jeu. Tu sais, tu vois maintenant, Splatoon, ils nourrissent, mais il y a l'erreur qu'il y a quelque chose qui drague la vague vraiment vite vers le bas parce que à chaque fois, tu retournes dedans, ah, ça c'est pas encore fixé, ah, ça c'est pas encore fixé. Fait que la vague fait comme. Ben, toi, je sais Mario Kart, ça fait une grosse vague. Toi, et elle s'est écrasée. Ils ont fait le DLC, puis il était en train de vraiment, il y avait presque plus de terrain. Il était quasiment à plat, puis là, elle a fait comme. Je pense qu'elle était à plat pendant un petit bout, puis là, ça fait comme. Une petite shot avec un DLC, ça s'est écrasé. 2 semaines, 1 mois, 2 mois, lui, c'est rien passé. Mais il y a une autre petite vague avec l'autre DLC, puis on a joué une semaine, puis après ça, on a joué là, 2 semaines. Ouais. Une semaine, 2 semaines max. Ouais. Puis après ça, mais si là, s'il y a certains nouveaux tableaux, tu voudrais pas jouer? C'est avec des tableaux, on va pas donner. J'ai d'autres choses à faire. Je suis embarqué sur mes courants de neige, je suis embarqué sur un jeu que c'est pas pareil, on joue dans un salon à 4.
on va jouer genre, c'est ça, une fois de temps en temps, une fois, mais c'est pas de même que tu maintiens un jeu. Un jeu pour que tu réussisses à vouloir jouer dessus, c'est qu'il faut au moins une fois par jour que tu dises j'ai le goût de jouer, ou au moins une fois par semaine, tu fasses j'ai le goût de jouer à ce jeu-là. C'est pas le cas présentement, ça fait des mois et des mois que j'ai même pas imaginé que je jouerais à Mario Kart. La dernière personne qui a joué, c'est mon petit neveu qui joue parce que c'est lui qui a un public plus cible pour Mario Kart. Mais t'as joué beaucoup, mais je pense que les jeunes enfants. J'ai joué en Je sais que t'as joué beaucoup en tabarnak. C'est ça, je te dis, je suis un hardcore gamer, je suis quelqu'un qui est passionné, qui a le goût, puis à un moment donné, j'ai fait le tour. Après ça, c'était juste d'unlocker le Golden Kart. Le Golden Kart est super plate. Fait qu'il, il manquait du stock à unlocker. Mais pour comprendre ça, faut que tu compares un petit peu à ce qui se fait dans les autres jeux hors de Nintendo. Mettons les MMO. Les MMO, eux autres, la façon qu'il y a le user base, c'est de créer des événements toutes les semaines. À toutes les 2-3 semaines, il y a un nouveau événement. Tu vas avoir une nouvelle texture, un nouveau costume. C'est le même qui renouvelle le user base. Puis qu'il y a toujours une vague. C'est ça, en fait. C'est toujours une vague. Comme Monster Hunter 4. Tu peux pas le lâcher, cette vague-là. Tu peux pas le lâcher et t'accrocher. Il est parti, il est allé à autres affaires. D'essayer d'aller le rechercher, ça va être beaucoup plus dur. C'est ça. Mais c'est carrément c'est la même chose avec les jeux, avec les Mario Kart. Ouais. Tant que t'es dans la vague, tu vas rester accroché au jeu. Moi, je vais l'acheter, par exemple, s'il y en avait. Ça dépend, ça serait quoi comme contenu. Faudrait vraiment que mettons. La même affaire. La dernière affaire, là, regarde, on joue une semaine, même pas. C'est même pas une semaine à back to back. On rentre dedans, on joue 2 heures, on a fait le tour, on a tous les bonhommes, on a toutes les maps, tout est fait. On fait juste. Bon, là, c'est correct. T'sais, en 2 heures, tu peux réussir à tout faire ton DLC. C'est ça qui est un peu dommage. Puis, t'as pas. T'sais, là, t'en trouves une map ou une autre map qui est le fun, mais c'est pas les c'est combien? C'est 8 maps en tout. C'est pas les 8 maps qui sont le fun. Des 2 DLC, mais je parle par DLC, c'est 8 maps. Fait que s'il y a une autre 8 maps qui arrive, t'en as une que t'aimes, une deuxième que t'aimes, des fois t'en as 3, t'en as pas comme les 8 que tu tripes là. Tu sais, on a eu la Baby qui était très bien fun, puis on est comme puis on s'est carré assez vite, parce qu'on est comme Chris, excusez, mon petit j'aimerais bien, dans le. Il y en a pas mal que j'aime en fait. Les F-Zero, ben, les la F-Zero. Il y en a 2. Il y en a une F-Zero qui a été ajoutée. Il y en a juste une, il y a 2 F-Zero en tout, mais l'autre F-Zero était pas dans le DLC, était dans l'original. Les premiers DLC que t'as dans le DLC. Non, t'avais un F-Zero que t'avais déjà, puis après ça, dans le deuxième DLC, ils ont mis un autre F-Zero que là c'était Big Blue, puis là tu te promenais dans l'eau, puis toute la quête, tu faisais des gros spins, puis t'avais 200 CC, que ça avait été bien ajouté. Le premier F-Zero, c'est pas dans un DLC. C'est pas grave, hein, mais oui. Parce qu'il y avait pas de. Toutes les spin-offs de jeu, ils ont mis dans des DLC, comme Exact Back, F-Zero. Zelda. J'ai pas eu le sentiment que c'était dans Zelda. Ouais, c'est premier. Parce que, comme tu dis, il y a tellement de délais entre les deux. Il y a comme eu 6 mois entre les deux. Puis tu perds le. J'avais du fun avant que les DLC sortent dans un F-Zero. Non, mais il était dans. C'est dans celui de Zelda. Dans. Puis là, dans celui de Animal Crossing, il est sorti le deuxième DLC. Attends, je vais checker. Mais oublie pas que. Il y a comme 4. Mais même s'il y a une F-Zero par truc. Ouais. Le premier F-Zero était correct, la deuxième F-Zero était vraiment vraiment fun cool, avec le 200 CC. Puis Animal Crossing est plate comme ça. Ah mais ça c'est un ajout fun le 200 CC. Puis ils l'ont ajouté à tout le monde, même ceux qui n'ont pas... Oui, il était dans Nintendo LED. Mais tu vois, ça a duré combien de temps? C'est peut-être pour ça que tu te mélanges, il était dans Nintendo LED F-Zero. Nintendo LED? Ouais, il y avait un truc. Non, ça n'a pas rapport, ça n'a pas rapport. Mario Kart 8 F-Zero. Ça fait comment la première Zelda? Mais il y avait Zelda, c'est pas Big Blue puis. T'as Big Blue puis mettons là. Moi je parle pas de Big Blue, je parle pas celle avec l'eau là. Je parle de la première que t'as les Chargers. C'est la première fois que t'avais les Chargers, on cherche. Mario Kart 8 DLC. Mais dans le fond, c'est qu'il y a 4 coupes ajoutées avec les DLC. Puis. Ouais, 4 coupes en tout avec 4 maps chacun. Mais c'est ça, c'est la plupart des maps j'ai trouvé vraiment plates. Il y avait. Ah, toi, tu parles pas. C'était dans celui de la ville. Non, ça c'est Bowser, mm-hmm. Neo Bowser, fait que ça n'a même pas rapport à Gabe Zero. Ça c'est dans le deuxième. Oh, oui, dans le deuxième aussi. Puis ton état ne marche pas, faut que je peux éviter. Je vais peut-être connecter ça à la caméra. Ouais, non, je vais pouvoir le faire sur la caméra. Ouais, ça fait ça. C'était sur mes GoPro, ça. Que toi. Puis. Mais c'est ça, c'est. Mais bref, fait que oui, il y a un DLC qui sortirait là, c'est sûr qu'on le prendrait. Moi et ma copine, on va jouer peut-être une fois ou deux. Ça va mourir. C'est, la vague, elle fait. Mais c'est peut-être qu'à ce moment-là, ça sert à rien. C'est ça manque, développement dans le film. Il manque de mode de jeu pour rendre ça intéressant. Genre, OK, mais on crée des codes aléatoires, on crée des affaires. Mais même encore là, si la vague est morte,
ça peut la, la relever un petit peu, mais ça... Ça partira pas. C'est ça. À moins que tu en partes un après l'autre. Puis là, tu mets du hype, tu mets des événements, puis tout. Là, tout le monde est comme, ouais, toi tu joues, moi je joue, Alex il joue, on se met tout à jouer. Là, ça crée la vague, puis là, on part. Mais ce qu'ils ont sous-estimé, c'est encore là, c'est le Battle Mode qui gardait les jeux comme. Nintendo 64, moi, j'avais jamais joué au COD. J'allais chez mes amis, j'allais chez vous, on jouait, c'était Battle Mode. Puis pour moi, c'était ça, Mario Kart. Pour moi, c'était ça, Mario Kart. Je savais même pas qu'il y avait des cups. Pour être franc, quand j'étais jeune, je savais pas qu'il y avait des courses de cups. Je savais qu'il y avait quoi d'autre, là, pis tout, mais je jouais jamais là-dedans. Moi, quand j'allais chez vous, c'était OK, on s'attaque avec des ballons. Puis ça, c'est un mode multiplayer qui a vraiment fait que les gens jouaient. Pareil comme Star Fox. Souvent, quand j'allais chez mes amis, c'était juste le mode où on jouait tout ensemble. Tu as déjà joué à Star Fox 64 J'écoute pas, je suis en train de chercher. Okay. Ben bref, c'était souvent c'est ça. C'est la même chose qui a maintenu en vie GoldenEye. Ouais, GoldenEye. GoldenEye, la quest était le fun, mais une fois que tu single player, regarde. Moi, j'allais chez un ami jouer, mais c'était le multiplayer que je connais. C'est pas le single player. Puis single player, quand on l'a refait après, ok, oui, il y avait des tournures intéressantes, mais les textures étaient limitées, puis. L'histoire était potable, mais rien d'exceptionnel de ce côté-là. Ce qui était le fun aussi, c'est que l'originalité de ce jeu-là, c'est qu'il avait fait des trois missions avec niveau de difficulté, puis il y avait plus de missions à faire pour chaque. Ouais. Ça, c'était le fun. Mais multiplayer était impeccable. C'est ça que tu te rappelles de ce jeu-là, surtout. C'est ça, Mario Kart 8, d'avoir négligé le Battle Mode, ça a fait que. Pas, ben ça perd des points dans les reviews, ça fait que les gens reviennent moins dans le jeu parce que des fois tu as des soirées entre amis où tu as juste envie de t'amuser et tu trouves d'autres jeux. Mais honnêtement, on a de la misère des fois à en trouver. Parce que tu sais, on a fait un tour des Wii Party, cette affaire-là, puis. Ça dépend qu'est-ce que tu files, mais tu sais, il n'y a pas de masterpiece que tu vas dire après le party, faut que c'est pas que je joue à un jeu-là. Smash. Il y a quoi qui fait que c'est des équilibres. Il y a les joueurs expérimentés vs les joueurs pas expérimentés. C'est dur d'embarquer là-dedans quand tu connais. Je mettais mon cerveau à 1% puis je réussissais à tuer des nouveaux joueurs super trop facilement. Même j'ai laissé gagner puis ils perdaient. Ouais, puis ça frustre les gens. Ouais, ça frustre les gens. Puis je fais pas exprès là. je laisse la chance. Je voulais qu'ils gagnent puis ils réussissent à perdre. C'est ça, c'est de négliger des. Pour eux, peut-être, c'est des détails de mettre un truc dans un jeu, mais de l'enlever après ça, ça crée un espèce de trou qui fait que. Ouais, tu peux pas enlever des trucs, tu veux juste en ajouter en général. Ouais, c'est un bon point. C'est une règle. C'est un bon point. Puis, résultat du rapport, meilleur coup de pas. C'est vraiment la première, c'était Mute City, qui était dans le premier DLC, puis la deuxième, c'est Big Blue. Mais qui n'est pas net mentionné de devenir de F-Zero, à juste une thématique F-Zero. Ben, il y a le drapeau F-Zero en haut. Oui, je sais, mais je veux dire, dedans les pages que j'ai vues, ils disaient pas. La seule map qui disait officiellement F-Zero, c'était Mute City. Hein. On regarde totalement. Ben, c'est vraiment les musiques de track. C'est la musique de. Mais non, mais il y a le countdown aussi. F-Zero et tout. Les zones de recharge. Mais quand je cherche F-Zero, c'est celle-là qui était écoutée, la première qui des deux qui était écoutée F-Zero. Ils ont même mis le drapeau F-Zero en train. Enfin. Fait que c'est ça. Mais moi, j'étais sûr. C'est parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de délais entre les deux, c'est pour ça qu'il est mélangé. Il y a eu 6 mois entre les deux. Ouais, mais même le premier DLC, puis un méchant bout avant de sortir, puis j'ai eu l'impression de jouer au début à ce moment-là. Ouais, c'est quand on était c'est en novembre qui est sorti, puis le jeu est sorti en mai. Ouais. Puis après ça, c'est sorti l'autre mai d'après. Un an après le jeu, c'est sorti le deuxième DLC. Leurs DLC sont vraiment trop tard. Je serais quasiment plus. Non, mais même pas. S'ils sortaient une map et un bonhomme, ça ferait comme Splatoon, je m'en foutrais complètement. Ouais, c'est pas évident à gager. Non, c'est simple. Ils mettent des patchs, ils montrent qu'ils care. Genre, c'est simplement de même. Tu sais, MechWarrior Online, à chaque semaine, ils mettent une nouvelle patch qui sort. Pas une à chaque semaine, mais mettons à chaque mois. T'as une nouvelle page qui sort, puis la communauté est tout le temps en train de dire « Ok, on est en train de fixer tel problème, ok, on est en train de faire telle affaire, il y a un nouveau robot qui sort, il y a une nouvelle affaire, il y a tout le temps du nouveau contenu, il y a tout le temps de l'activité, fait que t'as tout le temps l'impression que ça bouge. » Battlefield 4, c'est ça encore. Ah ouais. Ça fait genre un an et demi, deux ans qu'il est quasiment sorti. Puis ils sont encore en train de l'entretenir, ils ont fait un CTI test, ils développent, puis t'as l'impression que ça bouge. Tant que les développeurs sont là, ça avance. Quand les développeurs sont plus là, puis qu'il n'y a plus de DLC, puis qu'il n'y a plus rien d'annoncé, c'est mort. Je pense aussi que le problème de tous ces jeux-là, des jeux Nintendo et compagnie, c'est que, ok, mettons, un nouveau Smash sort, c'est le même gameplay, c'est le même jeu qu'on a joué.
OK? Ils ajoutent pas nécessairement du nouveau stock, même comme tu dis, ils en enlèvent. Mais ils gardent ce que le monde a plus joué. Mais on a tellement joué, on en a joué assez écœuré. Tu me le sors de 5 ans plus tard, OK, il y avait peut-être 10 personnages avant puis on était satisfait. Là, il y en a 50. Puis on trouve le moyen de dire comme, ah non, il n'y en a pas assez, il faudrait qu'on ajoute. C'est pas juste ça, c'est que les bonhommes... Mais c'est qu'on a trop joué, ils ont toutes la même plus nouveauté. C'est honnêtement, moi je pogne un Samus, je prends Megaman, je prends Link, j'ai pas l'impression de jouer vraiment différemment. Ça dépend, il y en a que c'est vraiment... Non, c'est pas comme, mettons, si je vais jouer à Marvel vs. Capcom ou Mortal Kombat. Mortal Kombat, Marvel vs. Capcom, les bonhommes, quand tu tapes, c'est vraiment différent, ils sont très contrastés. Là, avec 50 bonhommes, ils ont toutes une petite différence un de l'autre. Ouais, tu pognes les larges sont presque tous le même style. Tu pognes les, mettons, les throwers, les gunners, ben, ils vont tous avoir le même problème. T'sais, close range, ils vont avoir de la misère, mais gunner, ça va aller bien. Et des fois, c'est la distance qui change, puis il y a des petits facteurs. Fait qu'il faut que tu sois quelqu'un qui ait joué beaucoup pour voir les détails. Pour quelqu'un qui joue juste casual, rentrer dans des jeux de même, c'est pas évident. Puis je dis pas de casualiser de jeu non plus, c'est vraiment pas ça que je dis. Mais c'est ça. Si on veut expliquer pourquoi, mettons, un jeu comme Smash, moi, j'accroche pas, c'est je rentre, puis je suis comme, hey, Samus, puis je joue avec Samus, puis j'ai l'impression qu'il est impotent au total. Je vais jouer avec un bonhomme complètement bizarre, tu sais. C'est qui? C'est le bonhomme de Xenoblade, justement. Xenoblade, avec son épée rouge, là. Skull. Ouais. T'arrives avec Skull, puis il tape comme un fou, puis je suis comme, je connais pas ce bonhomme-là, que c'est? Pourquoi il est bon de même? C'est Samus! Pourquoi Samus est à chier? Genre, je cache pas! Fait que ça, c'est des affaires qui me font chier. Puis après ça, moi, mon pattern, évidemment, après avoir joué Samus, je joue qui? Megaman! Même mon petite affaire, tu sais, des petites balles, puis il tient comme un cul, puis là, t'essaies de faire des moves, puis là, il part en feu n'importe où, puis tu comprends pas qu'est-ce que tu fais. Puis c'est ça. Là, mais tu lances ta gueule, puis t'es encore pas bon, fait que ça devient fou. Ça, puis Mario Kart, c'est des jeux qu'on a joué jusqu'à s'en écœurer avec sur d'autres itérations du jeu, puis ça reste le même gameplay. Mario Kart, j'ai eu vraiment du fun sur la version 8. Ouais, c'est celui qui a le plus. Ce qui a crevé ça, c'est que c'est ça, plus personne n'a envie de jouer. C'est avec ma copine avant, on était comme ah, on part une game, vous autres, on était ici, puis on disait ah, on joue à Mario Kart. Pas Alex, là. Mais tu sais, on était ici, ah, on joue à Mario Kart. J'étais chez n'importe quel de mes amis. Si on avait Mario Kart, il y a un moment dans la soirée où est-ce qu'on jouait à Mario Kart. Puis on n'a pas joué tant que ça, on a juste joué assez que là, on arrive, puis on est comme. Mais moi, on a les tortues en stand, les tortues bleues, hein, ils sont frustrantes, puis on est juste comme. Il n'y a pas de map que j'ai le goût de faire. Ah, oh, j'ai le goût de la faire. Il n'y a pas ce petit élément-là. Fait que s'il n'y a pas de nouveau contenu, ben, c'est ben, ça, ça va pas. Moi, Smash, j'aurais souvent eu envie de jouer avec des amis et de devenir bon, mais je n'ai pas d'amis qui ont intérêt à jouer. Je me suis acheté pour les GameCube, pour jouer avec tout, puis tout, mais. Ben, j'essaie de rejouer. Des fois, je joue avec mes petits neveux, puis tout. Puis eux autres, ils ont du fun au bout parce qu'ils se concentrent pas à essayer d'être bons. Ils font juste taper dans le tas, puis espèrent que ça pète de quoi. Fait que ça, c'est drôle de jouer avec eux autres. Mais dès que tu commences à être compétitif là-dedans, ça devient plate. Puis, comme tu dis, les bouts de drôle, là, où est-ce que, ça écrapoue dans le devant, où il arrive des espèces de situations cocasses, c'est beaucoup moins. Là. Mais d'ailleurs, j'ai un truc pour vous que j'ai seté mon Smash l'autre jour. Tu coupes les sound effects qui sont beaucoup trop présents maintenant dans le jeu. Tu boostes la musique et les voix. Et là, ça devient vraiment plus drôle. Vraiment plus drôle. Parce que t'entends vraiment des. Là, j'ai plus le feeling que j'avais au 64 que c'était déconnage. C'était ça le plaisir qu'on avait dans le temps. C'est pas que le gameplay était super solide, super bon. Non, c'est ça. C'est qu'on se pétait à gueule, puis on voyait des espèces de niaiseries. On se faisait propulser dans l'espace, on écrasait dans vite, on partait en orbite. C'était toutes ces conneries-là où un avion venait nous ramasser et on avait oh, pourquoi je suis mort là? Il y a tellement d'objets, de pluie d'objets puis de sound effects que ça enterre tout, mais couper les sound effects un peu, vous allez voir, c'est vraiment plus agréable. Quand tu joues avec quelqu'un qui est bon, ben tu peux pas faire grand-chose. T'es juste comme, Surtout qu'il y a probablement la meilleure trame sonore de tous les temps. T'as toutes les musiques, il y a 800 tunes de toutes les musiques de Nintendo qui se peut, genre même les third party que t'as jamais vu puis des affaires. Mais ils mettent tellement les sound effects forts que t'entends même pas la musique. C'est vrai que c'est du gâche. Oui. Pour faire une dernière parenthèse, peut-être, on avait parlé en honte par rapport au Amiibo, que ça pouvait être une source de contenu. Comme, admettons, de la façon qu'on en parlait, c'est logiquement, dans Mario Kart, tu aurais juste besoin de scanner ton Amiibo et ça te donnerait ce personnage-là. Le costume, Non, pas costume, le personnage. En gros, tu crées une banque de personnages, puis c'est pas si compliqué que ça à faire à l'interne. Surtout à la vitesse qui sort des Amiibo, ils ont juste besoin d'avoir une banque à l'interne puis avoir un paquet de jeux qui le supporte. Là, ça vient par exemple dans le contexte qu'on disait tantôt du DLC. Ben, ça devient. C'est même pas un DLC parce que t'as payé. C'est un DLC. C'est ça. Mais ça veut dire que tout le monde qui sont pas, qui ont pas le goût d'avoir tous ces gogosses-là traînés chez eux, qui veulent pas payer 13$ par bonhomme. C'est plus que ça maintenant, c'est 16$. 16$ par bonhomme.
ben c'est ça, ils n'ont pas le goût de payer ce prix-là pour un bonhomme. Tu sais, t'imagines, présentement, payer 1$ de Xbox, Xbox One quand ils ont sorti le nouveau Killer Instinct. C'était quoi? C'était 1$, 1$, 2$ par bonhomme. Tout le monde était outré d'avoir besoin de payer ça. Imagine maintenant 16$ par bonhomme que tu veux jouer. Moi, si je veux Samus, il faut que j'aie l'amiibo. Mais il y a beaucoup d'avantages parce que, en tant que tel, t'achètes les seuls personnages qui t'intéressent. Ouais. Et après ça, tu les. J'avoue que si toi, t'aimes Samus, puis t'achètes Samus, puis tu l'as dans tous tes jeux, t'aimerais ça. Non, parce que je sais que les autres personnes qui ne connaissent pas Samus, ça va les inhiber de pouvoir connaître Samus. Puis après ça, vouloir jouer au jeu des autres jeux Samus, il va falloir qu'ils achètent l'amiibo, donc ça réduit encore plus la fanbase. Puis ça, c'est loin de ce que je veux. Je voudrais en fait que tu mettes du Samus partout. Mettez des tableaux, donnez tout, s'il vous plaît, Samus est hot. Je veux qu'ils poussent plus dans cette direction-là. Mais c'est ça, c'est compliqué pour chaque décision. Mettre du même contenu pour l'amiibo, ça serait cool. Mais pas de faire que ça soit le bonhomme, parce que ça, c'est trop un gros step. Comme avoir un tableau, un vaisseau ou un personnage qui est basé sur ton amiibo, c'est trop du gros contenu. Par exemple, ajouter les costumes comme ils font, ça, je trouve ça le fun. T'sais, j'aimais ça me déguiser en Samus, je trouvais que c'était un bon move. J'aurais aimé ça qu'ils ajoutent plus de contenu comme ça. T'sais, que t'as un skin pour ma moto qui a le look de Samus, ça aurait été le fun. Parce qu'il n'y a pas de skin mais présentement. Mais les motos, moi, la moto que j'aime utiliser, c'est la petite moto rose, ben, la grosse monte la petite moto rose. J'aime pas ça, le rose. C'est pas une couleur que je déteste, mais tu sais, pour moi, c'est pas ce qui m'identifie ça. Très bien. C'est ça, moi j'aime du rouge, du noir, du blanc, je trouve ça super le fun, à la limite, mettre du bleu quelque part. Mais ça, j'étais comme, ah, ça ouais. C'est ma moto. Fait d'avoir des skins de moto, ça aurait été vraiment cool. Pareil comme ton parasol, ou ton parapluie, ou ton, je sais pas, parapente, n'importe quel parapente, tu peux mettre ça de moto. J'aurais aimé ça mettre un skin dessus aussi. Ouais, parlant d'Amiibo qui ajoute du contenu, ce qui va, c'est probablement Shovel Knight qui va en ajouter le plus. En même temps, c'est eux qui ont voulu créer leur Amiibo, qui se sont arrangés pour créer leur Amiibo. C'est carrément un autre DLC pour le jeu. Puis ils donnent en même temps. Pas Amiibo pour que. Non, le vrai DLC Shovel Knight Plague, ça c'est gratuit pour tout le monde, ça n'a aucun rapport avec l'Amiibo. L'Amiibo c'est juste pour Nintendo évidemment, sur les autres consoles il n'y a pas ça. Puis ça ajoute, c'est pour jouer à deux players entre autres. C'est une des fonctions. On va avoir deux bonhommes à l'écran. Okay. Ouais, c'est weird. Bah, tu vois, ça, c'est le genre de mécanique qui est trop grosse pour qu'un amiibo, ça soit intéressant. Ouais. C'est ça qui est weird. T'sais, un amiibo, ça devrait pas t'ajouter un contenu massif, t'sais, major, mais ça devrait t'ajouter plein de petites affaires que tu fais comme, oh, c'est le fun. Il va avoir, entre autres, ton bonhomme maintenant va développer des habiletés. Mm-hmm. Puis ça va être enregistré dans ton amiibo. T'sais, une bonne utilisation que j'ai vue, c'est dans Kirby. Mal exécuté, mais je trouvais ça le fun que tu scannes ton amiibo. Si t'as King Dedede, ça te donne une espèce de méga power-up, puis t'es skin Dedede, puis tu t'amuses avec. Mais c'est ça, c'est que il arrive des conneries où est-ce qu'on est en train de scanner, on meurt pendant qu'on scanne, on perd le point, puis on est comme ah, je peux plus l'utiliser de la journée. Parce que... Moi, ce qui me déçoit, c'est quand ils font comme ce jeu est compatible avec 57 amiibo, parce que Chibi Robo, ils viennent d'annoncer ça, va être compatible avec Chibi Robo. Ils n'ont pas dit ça va être quoi. Mais c'est comme Hero Warrior compatible avec tous les amiibo. Scanne-les et retire un rupee ou n'importe quoi au hasard. Jour, 5 jours. Ouais, tu peux pas scanner plus que ça. Parce qu'ils t'encouragent même pas à avoir acheté tous les amiibo. Ils te remercient même pas. Là. Puis ça débalance rien dans le jeu. Là. C'est juste comme. T'as 600 pièces d'amiibo, ben excuse-moi, c'est 5 à la fois. Fait que t'aurais dû en acheter 5. Ouais, des décisions weird. Là, t'arrives avec Amiibo Tap, puis là, t'as pas passé. Ouais. Non, Amiibo Tap, moi, j'en ai trop. Moi, je l'ai pas assez. De déballer. Ouais. C'est toi qui as plus d'Amiibo. On a 8 de chaque. Passe. Mais ouais, c'est ça. Donc, les Amiibo, je pense, il y a trop d'affaires en ce moment. Je pense que Nintendo, ils sont dans une période d'expérimentation, c'est correct. Ils essaient des affaires, ils testent des affaires. C'est pas assez. Ils se lancent dans plein de choses différentes. Tu checkes tout ce qu'ils ont fait. C'est pas des trucs qui comptent. Là, le NX, peut-être, il y a une chance, mais. Mais peut-être justement que. Peut-être des software updates avec la Wii U. Je peux pas croire que c'est l'architecture qui t'empêche de faire des trucs de friendly. Moi, ce que j'aimerais, c'est que le NX soit le système aussi qui vient de remplacer sur la Wii U. Ouais. Pour la rendre complètement compatible avec la future interface. Que le NX soit un OS, dans le fond. Ça serait cool. Ça serait vraiment. Ça serait étonnant. Ça serait étonnant, c'est mais... sorte la NX est sortie aujourd'hui, maintenant votre Wii U est devenue la prochaine génération, la prochaine console. On a pourquoi changé pas? L'OS complètement, on a changé comment ça passe. Oh wow! Pourquoi pas, si on trouvait un compatible moyen compatible avec la 3DS qui elle-même est maintenant avec la NX et... Genesis! Je crois pas vraiment à cet avenue là, parce que... clairement pas là, c'est... Parce que côté... vidéo, GPU, mais ils sont pas là. Ils pas fait pour le ARM. Puis même la vitesse... C'est une question de vitesse.
La puissance est relativement correcte. C'est quand même puissant. C'est plus fort qu'un X360. Mais c'est pas le 1. C'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite quelque chose de vraiment plus puissant que ça. Quelque chose d'instantané. C'est ce qui fait que c'est bien incompatible. Le 3DS, c'est du ARM. La Wii U, c'est PowerPC. Wii U, c'est pas un PC. Oh my god. En dehors de ça, regarde, le temps de loading sur une Wii U n'a pas de sens. T'as bien beau updater l'OS. Puis il y a des méga différences avec la première. Je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était atrocement lent. Là, le premier au début de la Wii U, là, il y a eu des updates qui ont accéléré le temps puis tout. Pis ça a aidé, mais au début, c'était juste comme. Ben, j'allais dans les news, puis même après 5 minutes, il n'avait pas fini de loader les news. On s'entend que c'est un menu, puis il y a eu que les derrière patch. C'est tout ce qu'il y a. Ça, c'est con, par exemple, qui a été utilisé du mémoire SD qui s'apparentait plus aux clés USB que un SSD. Ben, c'est ça. Il y a eu des lacunes au niveau hardware. Fait que le seul moyen de corriger ça, c'est de le sortir au niveau hardware, de sortir une nouvelle console. Sauf que corriger ça, ça va être la meilleure des consoles au monde. Là. Ouais, parce que si c'est lent à cause qu'ils l'ont alourdi en mettant comme des. Petites icônes qui bougent comme ça, puis plein de bonhommes à l'écran qui servent à rien, que je m'en fous, que tu vas voir toutes les mi, puis qu'il y a des vidéos dans le fond avec des consoles, puis des plus qui se prennent. Je m'en fous. Je veux dire, si ça fait que ma console est lourde et chiante à utiliser, je m'en fous. Mettez-moi ça simple, menu. Tu sais, il faut amener. Un bon exemple, là, souvent je vais chez du monde, puis ils ont Vidéotron, puis Belle, ExpressVue, puis cette affaire-là, puis. T'es sur le menu pis t'as comme un méga lag parce qu'ils t'ont mis une espèce d'interface folle graphique dans une machine qui est probablement un 386. C'est lent là, tu pèses sur Next pis là, ça fait. Pis là, t'as déjà pesé deux fois parce que t'as le réflexe de vouloir aller plus vite pis là, ça. Pis là, tu sais plus où ce que t'es. Tu pèses sur 3, sur ton channel 3 pis là, ça prend comme. Ah ouais. 3, il apparaît. Puis là, t'as déjà programmé ton poste, t'es comme tabarnak. Mettre une trop grande puissance dans quelque chose qui est pas assez, je trouve ça con. Oui. C'est ça que j'ai l'impression de la Wii. J'ai l'impression que c'est trop lourd l'interface pour ce que c'est. Pour ce que c'est capable de faire. Puis à ce moment-là, réduisez ça, je veux dire. Ouais, mais la NX, c'est pas nécessairement qu'ils vont augmenter les performances, c'est plus un changement de philosophie. Parce qu'il faut quand même qu'ils fassent une console qui se vende 300. C'est sûr que ça devrait être plus puissant parce que les technologies évoluent tout le temps. Ouais. Mais c'est de faire un système qui est plus optimisé. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire un système plus optimisé, c'est dans le développement. Ils peuvent faire du optimisé présentement. Regarde, Nintendo, ça marchait super bien. Ben, présentement. Le Super puis le NES, là, ça marchait super bien. Puis il y avait des puissances abyssales comparativement à ce qu'on a maintenant. Ouais. Mais c'est juste que c'est ça, ils se donnent des libertés, puis ils poussent moins. Ils compressent moins les trucs qu'ils devraient. Ils ajoutent plein d'espèces de petits flafflés à gauche, à droite pour rendre ça plus joli. Ouais, comme quelqu'un qui Tropical Freeze. Méga monde en 3D, ben oui, t'as pas besoin de ça, mais ça c'est une décision technologique et on dit on peut probablement le faire, ils l'ont fait, puis en fait on a trop mis de développement là-dessus, fait qu'on peut pas l'enlever, puis t'y remettre en 2D, de toute façon le monde ils vont sûrement chialer, c'est en 2D. Mais c'est l'engin Metroid Prime, c'est carrément, ils ont fixé une caméra dans Metroid Prime, puis ils ont tout créé un monde au complet. Ouais, mais c'est bizarre parce qu'il y a pas tant de loading que ça dans Metroid Prime. Ça arrive des fois, tu pognes de la porte, t'es comme « Allô! » T'es rendu HD, t'es rendu des méga mondes avec la profondeur, des plein de textures. Si ton matériel est capable de prendre le HD, c'est pas la plateforme qui est la. Ça dépend comment ils l'ont développé. C'est ça. Mais néanmoins, si tu as accès à plus de ressources, ben, même ta plateforme va avoir juste plus de ressources à être plus performante. On fait laisser ça sur une note positive, on va espérer que qu'ils fassent les bonnes décisions pour l'avenir. Une console rapide, ça c'est. Qui livre toutes les features de base. Moi, c'est, personnellement, j'aimerais ça un retour aux cartouches, mais ça c'est personnel. J'aimais ça. J'aime pas tant ça 3DS, je trouve ça trop petit, j'y perdrais partout. Là. Mais je trouve aussi pour une console qui vise aussi plus familial puis tout, il y a quelque chose de fun avec un truc solide qui. Ça marchait bien les cartouches comme tel. C'est sûr. Puis aujourd'hui, il n'y a pas de limite de place. Oui, t'as toujours une limite. Oui, mais je disais, mais on aurait en masse de place. C'est plus cher. Un disque coûte vraiment, vraiment moins cher et rien coûte encore moins cher qu'une cartouche mémoire. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Sûr. Puis ça, c'est ce qui drive beaucoup leur décision. Encore là, quand on s'entend que les jeux, mettons, Angry Bird n'a pas besoin des mêmes performances qu'un jeu genre Smash. Fait que dans le fond, il pourrait jouer avec la vitesse de la mémoire interne. C'est souvent 5 millions de Smash avec un disque qui t'a coûté genre une scène de production, puis tu vends une carte mémoire qui coûte même juste 50 cents. T'as quand même 50 fois le prix que ça t'a coûté de matière première que d'un à l'autre.
Fait que là-dessus, si tu calcules sur le 10 millions, ben là, c'est là que tu perds des sous. C'est qu'à ce moment-là, la console va devoir avoir un méga disque dur. Ouais. Et rapide. Aujourd'hui, avoir 3 TB, c'est genre 60$, 70$ peut-être. Ouais, si tu tombes en SSD, puis c'est plus cher. Si tu tombes en SSD, oui, mais t'as pas nécessairement besoin d'SSD. Un disque dur, c'est largement suffisant. C'est 120 MS comparativement. Si tu veux la vitesse, puis tout, là, si tu veux. Ça dépend comment ils ont monté leur application. Mais ça serait possible, d'avoir de quoi de rapide qui est très long dans mémoire cache. L'Xbox One, PlayStation 4, c'est des disques durs que tu livres. Parce que l'SSD, c'est pas encore viable, c'est trop cher. Si on s'en va de donner cartouches, c'est sûr que tu vas pas aller sur du 128 GB. Ouais. C'est à peu près, c'est rendu 150$ à peu près pour du 250 GB. Fait que c'est pas suffisant pour. Mais mon autre inquiétude aussi, c'est que les cartouches de même, c'est bon, j'ai jamais eu de problème avec ça. Un disque dur, me semble, dans un ordi, j'ai eu, je sais pas combien de disques durs qui a sauté. C'est sûr, mais j'aurais peur de. Comme un lecteur optique, c'est le même principe. Un lecteur optique, ça n'arrête pas de péter, mais. C'est, regarde, les consoles marchent encore. Là, ton GameCube, à un moment donné, va peut-être lâcher à cause du lecteur optique. Mon premier GameCube, le lecteur optique avait lâché. Ben, c'est ça. C'est des toutes pièces mécaniques, vont être plus. Vont être à risque de briser. Encore là, c'est pour ça que ton disque dur et ton compte est lié au cloud. Et ce qui n'est pas ça, clair en ce moment, par exemple. Non, présentement, c'est pas fait de même. C'est extrêmement dur. Tu fais ta console. Ah ouais, c'est linké à ta console et il y a une mention quelque part que tu l'as acheté. C'est tout. C'est pas que tu contactes compte Nintendo, avec ton jeu. J'ai entendu des histoires qui sont capables avec. Tu contactes Nintendo et ils te reconstruisent tes jeux et tout, mais faut que tu t'en rappelles, je sais pas. C'est pas évident. Ouais. Bref, on a eu un bon 2 heures de podcast. Alors, c'était bien, ça faisait longtemps qu'on était. On n'avait pas fait ça les trois, en fait. La première fois, je pense. Ouais, j'avoue. T'as conseillé de tenir l'X, non? Ouais. Dans un ou 2 ans. Ouais. Pourquoi qu'il faut attendre comme ça? Pourquoi? Moi, je veux surtout jouer à Zelda. Alors, voilà, donc, on vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de vous inscrire, on est sur Facebook, Jube, on est aussi sur Twitter, JubeBG, et on a plein de vidéos qui s'en viennent, on a des let's play aussi, on a plein d'affaires avec On se parle une game, puis plein de surprises, donc abonnez-vous, nous, ça nous encourage à continuer, puis à faire plein de nouvelles surprises pour vous. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine.